Connectez-vous et faites ce que vous savez que vous devez faire. Parce que ça va saigner tout de suite là. Ah, mal enfant là, versez le désodorisant. Connectez-vous et faites ce que vous savez que vous devez faire. Parce que ça va saigner tout de suite là. Je ne veux même pas que ce soit long. Connectez-vous, taguez les concernés. Connectez-vous. Si vous avez des amis warrior, taguez-les ici. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je me brosse les dents en attendant que vous partagez. Je veux qu'on soit un certain nombre. Je ne peux pas parler comme ça. Je vais vous faire écouter la sorcellerie que je vous ai. Je vous ai. Ouais. La sorcellerie dont je vous ai parlé hier. Voilà ça qui a commencé. Voilà ça qui a commencé. Donc, bipez-moi la saleté de surène là. Bipez-la. Taguez Valérie Bolingo. Bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'artiste Oshiga. Désolée que vous me découvriez de cette façon. Mais c'est ce que je suis aussi. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je suis brute de coffrage. Je suis une artiste dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que mes émotions, je vis avec. Nous vivons dans une société où on nous fait croire que les émotions, il faut toujours les brider. Moi, je dis non. Je comprends que parfois, il faut mettre ses émotions de côté. Mais dans notre société, c'est tout le temps qu'il faut mettre ses émotions de côté. Du coup, on a habitué les gens à paraître. On a habitué les gens à paraître. Au lieu d'être. Il faut me laisser. Vous qui venez avec vos laisse les clashs. Ma fille, je ne suis pas ta fille. Si j'étais ta fille, tu serais en train de partager mon travail qui passe en fond sonore là. Si j'étais ta fille, tu serais en train de partager mon clip qui est sur YouTube. Je ne suis pas ta fille. Au lieu d'être là-bas sur YouTube à commenter ma musique, tu es ici parce que tu veux écouter le Congo ça. Tu veux le Congo ça là. Mais tu veux faire genre. Taguez-moi les salopes là. Trop, c'est trop. Vous avez écouté mon dernier son. C'est mon gars. D'accord? Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement dès le 6 janvier. Actuellement, mon son est en train de cartonner sur YouTube sans promotion. Quand il dit sans promotion, ça veut dire qu'il n'y a aucun média sur la toile qui me soutient. Mon son ne passe pas encore sur les chaînes au Cameroun et pas encore ici. Le son est déjà sur YouTube et le son est à plus de 8000 vues. Ce que je vous annonçais déjà avant-hier. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Mettez mes likes, vous partagez. Vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que là, il s'agit de mon travail. Quand vous me dites que laisse les clashs, tu te concentres sur ton travail. Je les ai laissés dans leur saleté là-bas. Je les ai laissés dans leur proxénétisme. Je les ai laissés dans leur prostitution. Je les ai laissés dans leur esclavage moderne.
Je suis dans ma musique. Je suis dans mon coin. Je ne dérange personne. Je ne vous calcule pas. D'accord? Je fais comme tout le monde sur la toile. Mon vlogging. C'est-à-dire que quand je trouve une vidéo qui est marrante sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis dessus. De mettre mon grain de sel. Jusque-là, je me contente de poster et de rigoler un peu. En plus, si je ne poste pas, qui va regarder vos bêtises là? Si je ne poste pas, qui va regarder ça, hein? Pépé de Monaco. Piment frelaté, piment pourri de Monaco. Si elle ne teste pas vos saletés là, qui va regarder ça? Hein? Là, là, ça fait pas une heure. J'ai posté ta demande, ton appel à l'aide. Tu dis que tu vas construire la maison. Tu dis que tu vas construire la maison et tu mets le lien PayPal. Milliardaire de ton état. Oh, je m'en vais pour le chantier. Je ne vais pas rester longtemps, mais je vais aussi aller voir les orphelinats. Je vais aller à la prison. Tout ça en peu de temps, hein. Et tu veux PayPal. Voilà ce que je fais de ton PayPal. Bullshit! Tu as dit que tu es milliardaire. Tu vas aller faire les dons, la scène. Tu as déjà vu qu'un milliardaire mettre une cagnotte. Tu as une association. Tu as une fondation. Tu as quoi qui justifie que tu demandes aux gens de mettre PayPal soi-disant pour aller faire les dons alors que tu es en train d'aller faire un chantier. Toi-même, tu l'as dit. Le live, si ce n'est pas pour elle, ça, c'est l'entrée. Je vous ai dit de partager le live. Je vais utiliser la saleté de Surène là pour débloquer ma page. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Je prends les pierres qu'on me jette et je bâtis des murailles avec. Une salope qui n'arrive même pas à faire. Tu n'arrives plus à faire le nombre de vues que je fais. Et tu prétends que toi comme ça, c'est grâce à toi que mon son est en train de prendre sur YouTube. Vous m'entendez la sorcellerie? Ce n'est pas ce que je vous disais ici hier. Où sont tous ces fans bâtards qui venaient sur ma page? Oh, il faut dire merci. Oh, c'est la nouvelle année. Oh, elle est vraiment humble. Elle est vraiment gentille. Elle a vraiment bon cœur. Bon cul, oui. Mon cul. Je vais vous dire maintenant, comme vous pensez que je suis venue sur Facebook pour m'amuser avec vous, je vous ai déjà dit, vos choses de 2 à 5 là, appelez-moi Waka. Appelez-moi sans-papier. Appelez-moi sale-fille. Appelez-moi tout ce que vous voulez. Vous ne touchez pas à mon travail et à mes enfants. Vous ne touchez pas à mon travail et à mes enfants. La pimbèche de Monaco, la pute de Monaco, elle a osé s'attaquer à ma fille. Je ne vous entends pas, tous ces petits moutons. Bonjour ma grande sœur Blandine. Je n'entends pas tous les petits moutons, tous les morpions qui disaient la soutenir. On va voir vos cartes bleues sur son PayPal. Ce n'est pas votre soutien dans la nuit là que vous venez vous asseoir pour déverser votre diarrhée sur ma page. On veut voir votre soutien là. Allez soutenir son PayPal et puis on va voir. Et puis on va voir clair dans ça. Ben, tous ces soutiens là, tous ces abonnés, c'est des blédards. C'est les pauvres filles du Cameroun, les filles qu'on pine pour les pinball boosters. Ce n'est que les filles comme ça qui peuvent suivre cette pute de Monaco. Il n'y a que les rêveuses du Cameroun. Je ne mélange pas toutes mes sœurs du pays. Hein. Il y a les filles là-bas au pays qui se battent. Il y a les filles là-bas qui se battent. C'est elles qui me suivent ici. Pas les rêveuses qui s'asseyent. Jusqu'à il y a une qui est venue écrire sur mon mur. Oh, veuve Connery. La femme, ancienne femme de blanc. Voilà le titre. Voilà ton titre en bain. 72 ans en bain. 72 ans d'ancienneté de femme. Voilà ton seul titre. En bain. Ancienne femme de white. Voilà le titre de quelqu'un en bain. Hein? Ta vieille mère qui est là-bas couchée au Cameroun, tu n'es pas capable de la soigner. Tu ne sais pas qu'il y a déjà les mutuelles au Cameroun. Tu ne sais pas qu'il y a déjà les mutuelles au Cameroun. Vous qui étiez, voici une. Elijah, partage le live. Parce que tu fais partie des gens qui m'ont mal jugé à cause de ce que vous regardez dans les pages Congosa. Vous voyez? Vous savez pourquoi j'ai pris sa vidéo pour poster hier? Je vous avais dit que moi je quitte derrière les saletés là, non? Tout autant qu'elles sont. Je vous avais dit que je quitte derrière les saletés là, non?
Pourquoi je reposte la saleté de Suren? À cause de la vidéo qu'elle a faite hier avec ma musique. Parce que je savais exactement où on était en train d'aller. Je savais exactement quel était son objectif en postant ma photo. Je n'avais même pas vu qu'elle était en guerre avec Coucou. Coucou a lancé mon challenge. La salope de Suren pour faire ses problèmes. Comme la jalousie, elle veut toujours être devant. C'est toujours elle. Où elle pense que Coucou et moi, on parle. Où elle pense que Coucou et moi, on a fait un clan. Elle a sauté aussi. Il faut aussi faire la vidéo pour montrer ça. Oui, je n'ai pas le cœur noir comme les autres. Les autres, c'est qui? Oui, je ne t'en veux pas, ma belle. Tu t'es excusée. Je te prends un exemple. Pour les autres qui sont toujours ici aussi en train de croire que Oshiga est folle. Elle aime clasher tout le monde. Elle aime insulter tout le monde. Je me défends. Et je vous dis, ce que vous avez fait à Arafat en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas me faire ça. Moi, je ne suis pas lui. Oui. Lui, il est resté accroché avec ses amis qui l'ont traîné dans la boue, qui ont causé sa perte. Moi, je me suis débarrassée de tous mes amis. Je suis prête pour vous. Vous n'êtes pas étonné que vous cherchez mes fax, vous ne trouvez pas. Parce que je ne me lève pas comme vous. Je ne marche pas crigneux comme un poulet sans propriétaire dans le village. Je prévois, j'anticipe. Alors, quand j'ai su que j'allais, quand j'ai décidé que je me lance dans la musique, longtemps avant même de décider, mon âme savait déjà quel était notre plan, quel était notre agenda. Alors mon âme a coupé les ponts avec toutes mes relations qui pouvaient me nuire. Vous avez compris? Je ne suis pas comme vous. Une salope, veuve d'Oti. Tu as cherché fatigué. Tu m'as attaqué sur tous les fronts. Tu as insulté ma mère. Hein? Tu m'as diffamé. Diffamé mes enfants. Bon, ça même, c'est pas grave. Parce que toi, ta diffamation là, sur mes enfants, c'est petit comparé à ce que ta pute, ton pépé de Monaco a fait. Je m'occupe de votre fuck up en 2023. Si tu as cru que ta petite vidéo de merde allait m'arrêter, c'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle les bas-fans. Tu ne nous connais même pas. Tu ne connais pas qui nous sommes. Viens t'apprendre. Tous les bamilekés que tu as insultés sur la toile, regarde bien ma face. Ma foufou, c'est avec moi que ça s'arrête. Je vais te montrer qui a mis de l'eau dans Coco cette année. Cette année, tu vas lire. Partagez, mettez les cœurs. J'espère que vous avez mis mes j'aime. Je m'en vais regarder mes j'aime parce qu'on va écouter la vidéo. La vidéo du crime. On va l'écouter. Moi, je partais me laver. Oui. Moi, je partais me washo. Je n'étais rien dans vos histoires. J'étais dans mon coin. C'est une de mes abonnées. C'est un scarabée qui vient me dire que maman, ce que tu parlais hier là, tu n'as pas fini de parler ça, maman. Va sur le mur de Ndoti. Va sur le mur de veuve Ndoti. Tu vas voir ce qu'elle est déjà en train de raconter là-bas. Ne m'énervez pas, hein. Vous êtes 300. Mettez mes j'aime ici. Oui. Vous pensez qu'elle me fait insulter gratuitement? Vous pensez qu'elle veut vous servir ce que vous aimez gratuitement? Mettez-moi mes j'aime ici, là. Vous êtes 300. Mettez les j'aime ici. Venez verser ça ici. On finit avec son fuck up et puis on continue notre vie. J'ai deux petits avertissements à lui donner. Et ça ne va pas rigoler. Deux petits avertissements. Pas beaucoup. Si tu veux passer ta lune de miel quelque part, faut encore essayer. Deux petits avertissements. Pas beaucoup. Tous les bamilekés que tu as insultés ici, mes ancêtres me chargent de te dire que ça va s'arrêter avec moi. Tu as compris? Saleté que tu sois, tu es le déchet du Cameroun. Tu es la honte des boulous, même que tu chantes tous les jours. Boulou, boulou, boulou. Eh, boulou, boulou, boulou. Tu es de l'ethnie du président ivoirien. Et ton seul titre, c'est femme dans ancienne femme de blanc. Au soin. Boulou, boulou, boulou. Tu es de l'ethnie.
l'ethnie du président et ta mère n'a même pas une mutuelle pour se soigner. Après, tu vas parler des Bamileke. Tu peux entendre que la mère d'un Bamileke est jambe de 5 francs pour se soigner. Toute la famille va cotiser. Toi, tu es assise ici, là, Ngueme, comme la souris de l'église. Tu habites un taudis. Ton ami dit qu'elle a trop fait les dons aux gens. Pendant que toi, tu commandes tous les jours pour une cuisine de merde. Quelque chose qui coûte 1500 euros. Même à 750 euros, tu te fais une cuisine. Une cuisine low cost. Même ça, ton ami milliardaire au Monopoly, elle n'est pas prête. Tout ce qu'elle peut te donner, c'est les perruques pour aller faire la puterie. Voilà ton couloir. C'est ton couloir. Voilà, vous savez toutes les deux où vous vous tenez. Mais vous ne vous aimez jamais. Mon ami ne peut pas me laisser. Je suis en train de dire comment je vais relancer le Nganda parce que la monétisation donc folle. Monétisation donc gagner tant. Ta monétisation a gagné en temps. Je te l'avais annoncé, oui ou non? Je t'avais prophétisé la fin de ta monétisation. Oui ou non? Vous vous rappelez, non? Oh! Toi, tu marches avec la manipulation. Moi, je marche avec la vérité. Je vais t'apprendre comment la vérité fonctionne. Tu vas voir comment ça fonctionne. Edouard, c'est son nom, non? J'ai ton nom, Sapac. Ton nom, tout. Comme tu viens toujours menacer là, tu pensais que tu menaçais qui? Tu pensais que tu pouvais menacer qui? Veuve Ndoti. Toi, tu peux menacer une digne fille des grâces fines de mon état. Veuve Ndoti. Une fille du Hong Kong. Tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Tu peux passer par où? Déchets. Tu peux passer par où? Tu peux soigner. Hé, hey, je veux dire tellement de choses que je me perds. Allons l'écouter. Allons, vous allez écouter. Hé, hey, ne jouez pas avec moi. Il y avait mes j'aime sur la vidéo. Ici, vous êtes 366. Mettez ça ici. Vous aimez le Nkante. Hein? Wadankante. Wan, vous aimez ça. Et oui, il faut donc vous saigner un peu. Un petit j'aime. Ça ne va pas vous tuer. Oui. Il y avait laver la saleté à l'anus frelaté. La femme dont, les, dont le périnée a lâché. Toi, tu peux marcher comme ça, là. Ne me fais pas parler. Tu as compris, non? Tu as compris, Edouard. Ne me fais pas parler avec ton anus qui n'a plus le frein, là. Comme tu chies partout, dès qu'on te couille, tu fais caca. C'est sur aussi là que tu veux venir t'asseoir. Tu ne me connais pas, hein. Je t'avais prévenu que tu crois que tu es folle. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. Le petit, la petite cocaïne que tu consommes là, c'est petit. Tu as compris, non? Moi, Dieu, il m'a fabriqué avec cocaïne là. Dans mon sang là, c'est chargé à bloc. Cocaïne spirituelle, cocaïne angélique, mélanine power. Tu as compris? Tu as compris? Saleté que tu sois. Je ne veux plus que tu joues ma musique. Vous avez entendu? Voilà ça que j'ai dit ici. Je ne veux plus qu'elle joue ma musique. C'est ma musique. J'ai les droits. Et je t'interdis de jouer ma musique. Voilà. Comme c'était l'aide. Je ne veux pas ton aide. Saleté. Je ne veux pas de toi. Ni de près, ni de loin. Dans ma vie. Je me suis débarrassée de toi en quittant ta page. Fous-moi la paix. Que oh, le pardon est monté. Tu donnes le pardon que qui t'a demandé ton pardon. Moi, il peut te demander pardon. C'est toi qui dois me demander pardon. Ta descendance doit me demander pardon. Parce que tout ce que vous avez mangé pendant 6 mois là, Nami Adam Providam, Sapac, tout ce que vous avez mangé les 6 derniers mois, c'est moi. C'est moi qui ai travaillé. Saleté. Bordel de merde. Et pour supporter, venir m'asseoir, te regarder, insulter toute mon ethnie. Insulter tout mon village. Bordel sans cervelle. Bordel raté. Il y a les prostituées ici là qui se sont fait une retraite. Toi, tu vis dans un taudis. Tu dis que
l'argent, non? Qu'elles ont pris l'argent dans ta carte bleue. Tu n'as même pas honte. Famille de rapaces. Tu n'as pas dit que tes filles ont pris l'argent dans ta carte bleue. Je n'ai jamais pris un franc à ma mère. Depuis ma naissance, je n'ai jamais volé ma mère. Je dis bien jamais. Jamais de ma vie. Pourtant, j'allais dans les écoles des riches et moi, j'étais moins risqueux. Beaucoup moins risqueux. Je n'ai jamais volé ma mère. Étant au Cameroun, je n'ai jamais volé mon père. Toi, tes vieilles filles, tu viens te plaindre devant nous. Que j'ai quoi? Est-ce que tu mens? Tu n'as rien. Et tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et tu viens commander tous les jours, matin, midi, soir. Et tu mets mon nom dans tes saletés pour manipuler tes abonnés. Et manipuler les miens. Manipuler les internautes. Me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et je dois me taire. Parce que les gens vont dire qu'elle est ingrate. You mami pima. Tu as compris? Ceux qui me suivent ici, la personne ne peut croire que je suis ingrate. Tout le monde sait comment je dis merci ici pour une étoile. C'est moi qui t'ai appris qu'il fallait dire merci à tes abonnés. Avant, tu ne le disais même pas. C'est moi qui t'ai dit qu'il faut dire merci à tes abonnés quand ils t'envoient les étoiles. C'est moi qui t'ai dit qu'arrête de les harceler, à demander tout le temps les étoiles. Tais-toi, tu vas voir, ils vont envoyer les étoiles. C'est pour ça que tu les as libérés un peu. Et les tintins, les morpions là se baladent sur ma page tous les jours pour m'insulter. Hein? Combien de fois vous m'insultiez sur la page de cette chienne alors que je n'étais pas payée? Hein? Nous-mêmes les Bamilekés, c'est nous qui acceptons n'importe quoi. C'est à cause de ça que les détats, les détritus comme celle-là pensent que nous sommes leurs esclaves. Je vous informe que na, idon ova, c'est fini. Vous avez compris? Merci Ko Patricia pour mes étoiles. Les Bami esclaves là, c'était avant. C'était les lolos frelatés. Moi, c'est fini. Moi, je suis plus sur ça. Tu as compris? Voilà, donc éloigne-toi de moi. Va rester avec ta frelatée là-bas. Donc, tu partages le sang qu'a le son partout. Elle te supporte. Vous n'avez pas écouté, même quand elle fait semblant de défendre Lolo. Mais vous entendez avec quelle partie du corps, en fait? Avec l'orifice-ci ou bien celui-là? Je parle à ses fans. Vous entendez avec quelle partie? Avec quel trou? Quand elle prétend défendre Lolo, vous entendez ce qu'elle dit? Oh, elle parle à l'autre, hein, à la vendeuse de gélules. Oh, tu as pris tes produits, tu es parti traiter avec une Bamileke. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Donc elle vient défendre Lolo. Mais elle dit à l'autre que tu as pris tes produits, tu as allé donner à une Bamileke. Nawetibidis, ça veut dire quoi? Et toi comme ça, grenouille, tétard, avec la face comme le grattoir, tu es vieille et moche. Les gens qui viennent te dire que tu es belle, tu es saisie. Si tu l'as été, c'est que c'est avant. Parce que ce que moi je vois aujourd'hui là, abé mon gars, tu es vieille et moche. D'accord? Tu ressembles à la mort. J'ai dit que je suis assise ici. J'attends l'annonce de ta mort. C'est tout. Parce que tu ne sers à rien de bien sur la terre-ci. Ce que les gens disent que tu fais rire là, c'est parce qu'ils sont aussi malheureux que toi. Venez vous asseoir pour rigoler pendant que quelqu'un est en train de diffamer les gens. Diffamer les gens à tort et à travers. Vous, ça vous fait rire. Et vous pensez que vous êtes apte à me juger, moi? Vous pensez que votre jugement peut m'affecter? Des gens qui s'enjaillent, qui se délectent quand ils écoutent des propos tribalistes à longueur de journée? Des gens qui s'enjaillent quand ils entendent que moi, je n'ai pas d'enfant noir. Moi, maman est un métis. Elle n'a pas d'enfant noir. Elle a son gros ventre, ton truc dégueulasse. Que tu trimbales partout dans la France avec toi là. Tu peux avoir les clients avec ça. Ils montent sur toi de quel côté? Tes clients vont monter sur toi de quel côté? Avec la bassine que tu trimbales devant toi. Derrière même, oh, s'il ne fait pas attention, tu vas chier sur lui. Toi comme ça là, tu sers encore à quoi? Tu sers à quoi? Ton âme va bientôt te quitter.
Je vous dis ça ici tous les jours, vous croyez que c'est la blague. Parce que quand ton âme est fatiguée, quand tu n'utilises pas ton corps pour satisfaire ton âme, à un moment, ton âme est fatiguée. Que maman, c'est comment? Tous les jours, je suis dans les vapes avec toi. Maman, les dédoublements de personnalité tous les jours avec toi. Maman, maman, j'ai fait quoi avec toi? C'est pas mieux, je m'en vais. C'est pas mieux, je béou en même temps. C'est pas mieux, j'ai gagné en temps. Attendez, j'attache bien mon truc. Un fandomo. Pour piété. Mon piété. Glem un fandomo, yé. Un fandomo. Oyou non. Chez nous. Kaka chez nous, bé. Totimo. Mbokao. Je vais te donner ça. Saleté. Mbokao. Voilà, on va commencer l'année comme ça. Pas c'est ce que vous voulez. Merde. Vous entendez sur ce que le papier hygiénique usé l'a dit sur moi? Hey! Chez nous. Papier hygiénique usé. Vous entendez ce qu'elle dit sur moi? Mais attends, elle m'a bloqué ou quoi? Tu m'as senti arriver. Non, voici ça ici. Ah non, je ne trouve pas le compte ici. Pourquoi? Pourquoi je ne trouve pas le compte ici? Je vais trouver ça. Je ne vais pas m'échapper. Voici ça ici. Asseyez-vous, mettez mes j'aime, mes likes et mes partages. Ceux qui veulent m'acheter les étoiles, c'est le lien qui est là. Abre à lien. Vous cliquez dessus. Vous cherchez acheter les étoiles moins chères. Vous allez trouver. Tous les bamilekés frelatés qui vont donner leur argent là-bas. Pima! Vous tous, vous êtes la honte de vos ancêtres. C'est moi, Yedi. C'est moi, Yedi. Que les quatre. C'est moi, Yedi, ça. Vous êtes la honte de vos ancêtres. Vous êtes la honte de vos ancêtres. Merci, Patricia. Vous, les bamilekés, qui partagez la saleté, là, qui donnez votre argent là-bas, vous êtes la honte. La honte de vos ancêtres. Vous ne méritez même pas qui vous calcule en rêve. Vous ne méritez pas. Je ne peux pas m'asseoir, une sapaque, une rienton, va insulter mes ancêtres, tout mon village, à la moindre occasion. Dès qu'elle a affaire à un bamileke en bien haut, en mal haut, tout le village prend. Tout le village prend. Mais c'est quelle qualité ça? C'est quelle qualité ça? Vous êtes toujours derrière vos écrans, que ne t'attardez pas, ne t'attardez pas. Quand ça va vous arriver, ne vous attardez pas. Vous avez compris, non? Laissez-moi comme ça. Vous allez écouter donc. Vous allez comprendre. Elle là, je serai ton terminus. Je serai ton terminus. Je vais te mettre hors d'état de nuit sur Facebook, si. Ça, c'est le rôle. D'accord. Tout cet eau-là que tu connais, c'est le rond. D'accord. N'importe quoi. Ça m'est bouti. Et là-bas, c'est... Qui? Non, non, non. Là, c'est pas ça. Là, il y a... Là, il y a un truc là. Derrière, on appelle ça les remparts. Donc ce sont les remparts, oui, mais derrière les remparts, c'est là où ils vivaient les papes. Voilà, les dans les anciens papes de France, quoi. Voilà. À l'époque. C'est ça. D'accord. Ça, tu vois les entours, là, tout là comme ça. Voilà, voilà le pont d'avion. Le pont d'avion. Tu vois comme ça. Les gens entrent dedans, on paye pour visiter. Il y a un truc monument touristique là-dedans. Monument touristique. Attends, je n'aime pas les choses comme je fais sur mon pont. Un truc pour visiter. Et dedans, il y a un guide qui vous explique les cartes. Il vous explique l'historique de l'histoire. Les gens me font rire, les virus. Les gens me font rire. Les gens, oui. Rien. Moi, je suis parti chez Oshiga là-bas. Oh, Baba, on m'a dit que. Elle a mis la vidéo que j'ai fait ce matin. Les gens, oui. Les gens me font rire, les virus.
Les gens me font rire. Les gens rient. Je vois, je suis parti chez Oshiga là-bas. Oh, Baba, on m'a dit que... Elle a mis la vidéo que j'ai fait sur ma mère. Je suis une grande femme. Personne vous a dit, voilà, les 5 personnes, allez commenter. Pourquoi il y a quoi? Je mets vous qui partez commenter chez Oshiga là-bas, à ma faveur. À... Non, je voulais pas, non, je voulais bloquer, parce que ça allait bien. Mais c'est ça qui me regarde très bien. Maman, tu vas tout les boucher. Mais ça, c'est beau. C'est très beau. Hein. Alors, à Monaco, tu peux avoir une de tes wario. Au lieu de parler vos choses, c'est mon nom, hein? C'est mon nom, hein? Tu n'auras plus jamais quelqu'un comme moi à côté de toi, de toute ta sale vie. Jamais. C'était le dernier tour. Par pitié, les cieux t'ont envoyé quelqu'un qui allait venir t'aider sans arrière-pensée. Tu as profité de moi. Profité de moi et me salir derrière pour te donner des airs. Tu peux raconter à la pembèche qui est là-bas. À Toulouse, à Longage, parce qu'elle n'est même pas à Toulouse, elle est dans un village, au fond de Toulouse, à Longage. Qu'est-ce que c'est si écrit, ma faute avait prévenu, elle va me prévenir qu'elle et moi, on sait d'avoir parlé où? Fermez son à vos bouchers. Vous n'avez rien à dire. Donc, je suis étonné que ce matin, quand j'ai fait la vidéo là, maman, quand tu es une grande dame, tu sais ça, vous qui encouragez aussi à insulter les gens sur les réseaux sociaux, vous avez dans vos pages là, vous avez pas, quand je vois, quand Oshiga partage écoutez. Les morceaux de, comment on appelle ça, de chansons là, quand je vous vois commenter là-bas, maman, je vous vois partager, vous aimez la haine. Sachez que la haine est dans nous tous, dans nos gènes. Si j'ai fait ça ce matin, c'est pour lui montrer que je suis une grande personne. Et que je ne m'attarde pas à faire le tribalisme. Comme elle a dit que je suis tribaliste. Le gros cul de ta maman. Tu as compris, saleté de tribaliste que tu sois. Je réitère. Non seulement tu es tribaliste, mais tu es raciste envers ta propre couleur de peau. Chienne. Tu es un déchet pour l'humanité. Je le dis et je le pense très sincèrement. Très sincèrement. Que pour me montrer que tu es une grande dame. Tu peux me montrer que tu es une grande dame. Qui va croire ça? Moi? Dis que c'est pour faire croire ça aux autres. Pas moi. Toi et moi, on sait ce que tu es. Un déchet. Une femme qui ne sait même pas lire ses mails. Une femme assistée qui a toujours besoin des autres. Et qui met la pression aux autres. Une femme qui fait une maltraitance psychologique à toutes les personnes qui l'entourent, qui essayent de l'aider. Voilà la femme chez qui tu es, non? Elle a besoin de toi pour lancer son ganda. Bientôt, on va vous entendre ici sur la toile. Tapez ici. Vous pouvez mettre les paris. On peut déjà mettre nos paris. Voilà une qui l'a accueillie là-bas. Elle pense qu'elle va profiter de la visibilité de Tounou. Elle pense qu'elle va profiter de la visibilité de cette grenouille frélatée, de cette grenouille puante. Tu vas voir le prix que ça va te coûter. Demain, elle va venir ici nous dire tout ton intérieur, la couleur de tes draps, qui est le vrai père de tes enfants, ce que tu faisais avant, ce que tu ne faisais pas, oh, tout ça là, ça va venir nous trouver ici. On n'est pas pressé. Oui. Et que je ne m'attarde pas à faire ce que c'est connerie là. Moi, en dépit de vous, moi je peux mettre Oshiga en haut. Je peux amener Oshiga en haut. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. D'accord? Je ne veux pas. Ne me mets pas en haut. C'est forcé. C'est forcé. Maman, c'est obligé. Tu as ta petite amour, Jean, la puterie de Longage, non? Elle aussi, elle chante, non? Que papa bonheur, tourmi à l'anus. Papa bonheur, porta porti moi. Papa bonheur, va chanter pour lui. Va chanter pour elle. Mets-la en haut. Elle aussi, elle chante, non?
Mais là en haut, laisse la fille de Punchengale au Younor. Laisse la fille de Long Kwenji. Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien de toi. Je veux que tu me colles la paix. Je veux que tu me laisses tranquille. Ouais. Vous vous rappelez quand elle faisait, quand je travaillais pour elle et qu'elle devait me mettre en haut, hein, qu'elle devait faire ma publicité. Elle n'a rien fait. Elle a joué ma musique deux fois dans ses lives. Deux, trois fois. Chaque fois, c'était que, oh, quand je mets ta musique, ma vidéo tremble. Aussi, quand je mets ta musique, ma vidéo tremble. Vous êtes, si vous êtes honnête, comme ces warriors aussi sont de mauvaise foi. Vous êtes nombreux. Vous étiez souvent assis là, quand moi j'étais en bas en train de modérer. Et qu'elle se justifiait quand elle mettait la musique de ses frères du village. Comment elle se justifiait pour dire que, oh, quand je mets ta musique, la vidéo tremble. La vidéo fait comme ça. Mais quand elle a besoin de moi, elle m'appelle, hein, minuit, oh, elle appelle. 1h du matin, oh, elle appelle. J'étais malade. J'étais malade, la femme là s'en foutait. J'ai eu le coronavirus ici, ma voix ne sortait plus. La femme là s'en fichait. Elle m'appelait quand elle avait besoin pour sa page. Je vous ai montré les preuves ici. Comment elle me menaçait. Elle a essayé de me menacer avec mes photos en sous-vêtements. Parce que dès qu'il y avait un petit truc qui ne marchait pas sur sa page. Oh, Siga, tu veux déjà prendre ma page. Oh, tu veux prendre ma page. Oh, si tu veux prendre ma page, pas avec. Après, elle vient. Ouais, ma, pardon. Tu sais que je ne connais rien dans les choses là. Ouais, ma, tu me laisses à qui, non, ma. Je vous ai fait écouter tout ça. Je vous ai fait écouter tout ça. Maintenant, la pembèche vient me dire qu'il pouvait te mettre ça. Oh, you mami pima. Va là-bas mettre ton jumeau qui galère là-bas au Cameroun. Va le mettre en haut. Va là-bas payer une mutuelle à ta maman. Oh, you know. You are woke. Tu entends avec quoi? Au soin. Va là-bas payer la mutuelle à ta maman. Là-bas au Cameroun. Il y a déjà les mutuelles au Cameroun. Il y a déjà les mutuelles au Cameroun. Oh, you know. Et rien ton. Et rien ton. Et rien ton, et rien ton. Pas moins un crignou comme ça là. Hein? Un crignou avec la bouche. Pas un bon kaola. Pas un coua kaola. Toi là. Toi comme ça. Toi tu peux mettre qui en haut dans le pays ici? Qui? Toi tu avais les logements sociaux à Paris. Et puis tu allais enterrer tes métis Nkassa là-bas. Dans le sud, dans les villages. Vous avez entendu? Ils ne sont même pas à Carcassonne. Ils sont dans un village à côté de Carcassonne. C'est sorti dans un live. Ça m'a sorti. Donc, toi, comme ça, tu vas avoir le réseau pour les HLM à Paris. Tu vas te laisser toi-même. Tu vas laisser tes mounas qui sont là-bas au village pour donner au Shiga une fille de grâce fine. Waouh! Que ça a commencé par où? Mais il y a Tom, hein? Mais y a tombe là, Tu peux? Venez donc écouter ce qu'elle vous dit à vous les bamileke frélaté. Vous les bamileke de merde qui allez donner les points à cette chienasse. Venez écouter comment elle vous nague. Écoutez. Mais en dehors de vous donnez non commentaire, vous donnez quoi au Shiga? Vous donnez quoi au Shiga? Elle a quoi? Moi je ne suis pas mon étudiant. Mais moi, je vis mieux qu'elle. J'ai tout plus qu'elle. Tu peux... Ok, je crois que c'était le téléphone. Mais pardon, Ces filles sont dans le privé. Tu connais le garant. Le privé coûte combien au village? Elle n'avait pas dit que sa fille est propriétaire. Après, elle a dit que c'est l'héritage de la grand-mère de Grémont, non? Maintenant, c'est le privé. Ah, venez nous trouver ici, là. Nous, on n'est pas pressé. Nous, on n'est pas pressé. De toute façon, tous les malades qui suivent la veuve, là, vous savez très bien ce qu'elle est. Mais vous êtes de mauvaise foi. La majorité d'entre vous sont des gens mal dans leur peau, des gens très haineux. Donc, vous aimez être là-bas pour cultiver votre haine en vous, là. Et puis, vous dites que c'est les games, non? C'est le jeu. Vous gamez avec qui? Hein? Vous jouez avec qui? On est camarades. Je suis votre égal.
Avant de game avec quelqu'un, il faut te rassurer que la personne aussi est en train de jouer avec toi. Faut te rassurer que la personne aussi est en train de jouer avec toi. Moi, je vais jouer avec les tricheuses, les gens qui sont obligés d'inventer par faute d'arguments. Je joue quoi avec vous? Je joue quoi avec vous quand elle casse les vrais papos? Comment une saleté que je vis mieux que elle? Tu peux vivre mieux que moi? Toute ta famille est là-bas au village. Au village! Moi, j'ai la maison au village. J'ai la maison à Yaoundé. J'ai la maison encore dans ton village, dans le sud. Bordel! Bordel sans rien. Cacre bonbon. Cacre cocaïne. Cacre bonbon. Hein? Tu es un nizat. Toi, tu peux dire que tu as quoi comparé à moi? Tu as quoi? Tu connais ton père? Hé! Chenou! Oji a pas zoï! Koho! Je suis Wadjo. Quand on regarde tes traits grossiers là, tu peux être Wadjo toi? Tu es peut-être tout pourri au Mundang. Même ça, tu ne peux pas. Ils sont fins. Ils ne sont pas au... Je ne vais pas insulter les gens à cause de toi. Je ne suis pas ta petite soeur. C'est la dernière fois que tu dis ça. Tu veux choquer ma mère? Tu veux que ma mère fasse une crise cardiaque? Je ne suis personne pour toi. Quand tu me regardes, on a le même physique. On se ressemble. Tu as vu mes traits? Non, mais bordel de merde. Tu m'as regardé? Hein, Elisabeth? Elise Zozote? You don't look me fine. Tu m'as regardé? Tu as vu mes jolis yeux d'amande? Tu as vu mon joli nez fin? Tu as vu mon joli point de beauté? Salope! Je peux être ta petite sœur? Il y a quoi qui nous lie? On se ressemble à quel niveau? Toi et moi, on se ressemble à quel niveau? Un zombie comme ça. Moi, je peux être ta petite. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu dis ça sur moi. Je vais me tuer. Moi, sa petite soeur, je peux mourir. Je ne veux pas. Ça, c'est là le harcèlement. Je ne veux pas de toi. I don't want you. Je ne veux pas de toi. Quelqu'un peut m'écrire ça ici en boulou? Écrivez ça ici en boulou. Je ne veux pas de toi. Dogma. Colma Miss. Colma Ala. Fous-moi le camp. Noa Fale. Oyou. Je ne veux pas de toi. Plus jamais tu n'appelles mon nom et tu mets sœur ou quelque chose qui ressemble à ça à côté. Plus jamais. Ce que va me dire, non. Que je gagne. Je gagne quoi? Je pense que j'ai gagné quoi? Non. Je vis très bien. Et oui, pour vous montrer que non. Voilà le nom que j'ai. Tu vis bien où? Pourquoi tu veux relancer le Nganda? Depuis qu'elle était monétisée, tu étais assise là-bas sur un nom. Tu n'as pas relancé le Nganda, pourquoi? Parce que l'argent de la monétisation passait, non? Fermé. La galère. C'est la galère, tu vas appeler petit sœur maintenant. C'est la galère, tu as appelé petit sœur. Tu as pris drap ou pas? Pardon, partager le live. On doit dépasser, on doit arriver à 500 personnes. On doit débloquer ma page avec le tombou là. Elle doit servir au moins à ça. À moi, les saletés ambulantes comme ça, que je vis mieux par rapport à elle. Tu vis mieux par rapport à qui? Tu peux? Une connasse qu'on est parti ramasser au Cameroun. Toi, tu fais la bordellerie depuis le pays. On est parti, le blanc est parti te chercher là-bas, te soulever là-bas avec tes enfants, te ramener ici. Tu as une fiche de paix en France? Moi, je suis allée m'aligner à l'ambassade. Tu connais ce qu'on appelle faire un dossier pour un visa? Moi, je suis allée à l'ambassade. J'ai montré mes documents, mon inscription comme étudiante. À moi, les pourritures comme toi, un objet sexuel qu'un blanc est parti s'offrir au Cameroun, il t'a amené ici, il t'a amené dans sa vie de débauche. Toi-même, tu étais débauchade. C'est pour ça que vous vous êtes suivi.
Vous êtes venu comme vous avez continué votre sale vie ici. Pauvre de tes filles. Elles ne connaissent rien de ce que c'est qu'une éducation normale. C'est pour ça que quand tu dis à leur enfant de dire pétasse, ça ne les choque pas. Parce que c'est comme ça que tu les as éduquées, elles aussi. D'ailleurs, toi-même, tu es une pétasse. Toi-même, tu es une waka. Et puis, tes enfants te voient traîner avec les waka. Je t'ai dit que, Elisabeth, si tu me cherches, je te fais couler pour proxénétisme. Pour l'instant, ce que je voulais faire contre toi, là, c'était encore petit comme ça. Si tu continues, je vais aller chercher les gens à qui tu louais la chambre chez toi pour faire le waka. Et je sais qu'elles seront prêtes à m'aider. Je suis sûre. Tu sais de quoi je parle, non? Tu sais de qui je parle. Elle va se faire un plaisir de donner main forte, de prêter main forte à ce que je vais aller déposer là-bas. Donc, si tu ne quittes pas derrière moi, Fleur de Lys est venue déchirer ta face dans ta maison. Moi, je ne suis pas Fleur de Lys. Tu comprends? Quand moi, il fait ma part, c'est en vrai. Parce que quand elle est venue te doser là, tu as massé ta tête, c'est fini, non? Tu peux encore allumer ta caméra et raconter ta maman que tu viens nous raconter tous les jours là. Quand j'en aurai fini avec toi, on va te dire que prononce encore, diffame encore quelqu'un. On va te dire que tente encore. Ça va te dépasser, Elisabeth. Elle est contente, hein? Il fallait voir comment elle venait se vanter chez moi. Oh, Lolo, c'est Yopougon qui mange sa monétisation. Hein? C'est Yopougon. Partagez ma vidéo. Je veux 500 personnes. Mettez les likes sur la vidéo. Sortez de la vidéo. Vous mettez un j'aime dessus. Partagez ma vidéo. Je veux 500 personnes ici. Elle est contente, hein? C'est elle qui venait me dire comment, oh, comme tu vois là, hein, toutes là, elles sont monétisées par Yopougon. Oh, les gars bouffent leur dos. Oh, l'argent n'entre pas dans leur compte. Ça entre dans le compte des gars et après, les gars leur envoient l'argent. Où tu les vois là, elles ne connaissent rien. Elles ne connaissent même pas combien elles gagnent par mois. Elles ne connaissent même pas, elles ne connaissent même pas. Et je lui disais que tu vois alors que tu as bien fait d'attendre. Tu n'as pas été pressé. Sinon, toi aussi, c'est quelqu'un d'autre qui allait toucher ton argent. Moi, j'ai fait ton travail de telle sorte que l'argent aille directement dans ton compte. Elle vous l'a toujours dit. Elle vous a toujours dit que je n'avais rien pris. Mais qu'est-ce qu'elle partait dire à la pute qui est là-bas à Longage? Elle partait lui dire qu'elle me donne l'argent tous les mois, que je la raquette. C'est ce qu'elle est partie dire là-bas. Oui, m'en venu. Pour sa petite soeur. Elle a... Parti dit que moi, il a raquette. Pendant que tu te tues, 6 mois, sur la page d'une ingrate finie, une perverse narcissique qui passe son temps à mettre la pression aux gens pour avoir ce qu'elle veut. Le chantage, oh, la pression. Voilà comment cette femme vit. Une femme toxique. Toxique à souhait. Toxique comme on n'en trouve plus. Il m'avait cherché mon chargeur. Ne bougez pas. Pas même où. Allons au salon. Hey. Je vais vous mettre même la musique là-bas. C'est une affaire de quoi? Vous êtes 400 là. Vous allez écouter ma musique donc. Tu voulais me faire la pub? C'est fait grâce à ton nom de ton nom de singe. Grâce à toi. Hein? Entre guillemets, c'est moi qui fais le son jusqu'à preuve du contraire. C'est moi qui fais le son. C'est moi qui fais le son. Le son. Donc, mettez le volume. Mettez le volume. Oh. Voici le trépied. Maman. Voici le trépied. Mettez le volume. Mettez le volume. Je ne veux pas que la vidéo si soit longue. Il faut que tout le monde puisse regarder. Même ces warriors qui n'ont pas les mégas là-bas au Cameroun là. Hein? Tout le monde doit pouvoir regarder ça. Oui. Vous devez écouter. Vous devez y a ça. Mais deux. Vous devez y a ça. Il n'y a même pas fini de manger. Il n'y a même pas fini. La fête m'a tellement choquée. Tellement choquée. Moi, je ne regarde pas ces lives. Tu vois que je ne regarde pas tes lives, Elie Zozote. Je ne regarde pas tes lives, puisque toi, quand tu écoutes ici, on entend que tu regardes mes lives jusqu'à tu lis les commentaires de mes abonnés. Nous te hantons, hein?
Nous te hantons, hein. On peut être fan comme ça. En fait, cette chienne est fan de moi. Parce qu'elle connaît mon potentiel. C'est ça qui est la vérité. Si vous écoutez la vidéo, là, vous allez comprendre. Et là, je vous ai posté la vidéo ce matin, une autre vidéo. Le début de la vidéo où elle joue ma musique. Quand vous quittez ici, allez écouter la vidéo, là, vous allez comprendre pourquoi elle a joué ma musique. Parce qu'elle sait que ma musique va cartonner. Elle sait que je fais partie des artistes sur qui il faut compter dans les années qui viennent là. Elle sait. Alors, elle veut en faire partie. Elle veut mettre sa pierre à l'édifice pour que demain, quand je go à l'Olympia, si je ne l'invite pas, elle sorte m'insulter comme elle a fait avec Lady Ponce sous prétexte qu'elle faisait ma publicité. Et vous allez voir tous ces moutons qui viennent me faire chier ici seront les premiers à dire que oui, Oshiga est ingrate. On a vu la veuve faire ici. On a vu la veuve faire ça pour elle. On a vu la veuve, la même chose qu'ils ont fait quand elle a dit que c'est elle qui m'a logé. La même chose que les Tumbula ont fait quand elle a dit que c'est elle qui m'a logé. Oh, tu es ingrate. Hein, elle t'a logé. J'ai dit, Seigneur, vous étiez là. Vous affirmez. Comment on peut être comme ça? Vous faites même ça comment? Franchement, une femme qui vous dit des choses tous les jours, les versions changent. Comment vous faites pour venir vous acharner sur moi que vous ne connaissez pas? En disant que oui, hein, tu es ingrate. Elle a fait ça pour toi. Elle a fait ci pour toi. Elle pouvait faire tout ça pour moi et elle restait silencieuse pendant 6 mois. Vous croyez vraiment ça? Vous croyez qu'elle pouvait venir se placer sur la toile, vous dire que c'est Oshiga qui m'a monétisé, c'est Oshiga qui me fait tout, c'est Oshiga qui me fait ça, sans vous dire ce qu'elle a fait pour moi? Voilà, dans sa vidéo, c'était pour coucou. C'est ce que j'ai dit, non? Instrumentalisation. Elle veut m'instrumentaliser. Elle veut m'utiliser dans ses bêtises, dans ses combats. Et en passant, salit mon image encore une fois. Parce qu'elle sait très bien que je vais mal le prendre, les choses qu'elle est en train de dire là. Que oui, je pardonne. Tu pardonnes à qui? Anne Wama. Tu pardonnes quoi à qui? Tu sais ce que j'en fais de ton pardon dans ta face? Tu as compris? Tu pardonnes à qui? Tu pardonnes quoi à qui? Tu es qui? Tu es quoi? Moi, je te pisse à la gueule, meuf. Je te pisse à l'arrêt. Et même te niquer à quatre pattes, je veux pas. Je touche pas de ta merde. Tu comprends? Toi, tu pardonnes à qui? Tu pardonnes à qui? J'ai compris son problème. Je vous ai dit ça ici hier. Que c'est pas un coucou est sorti. La honte de ça. Coucou est sorti et la vidéo a fait bim. Donc, la crainte, la saleté là ne veut pas entendre qu'on ne parle pas d'elle. Non, Oshiga, c'était quand même Sabamileke, une de Sabamileke. Donc, c'est elle qui doit prendre les honneurs sur moi, que ma petite soeur. Qui est ta petite soeur? Moi, si. Moi, si. Change de dealer. Hein. Moi, je suis rien pour toi. Hein. On a collaboré. On a même amis. Nous n'avons jamais été amis. Quand on est amis, je te rends invité à prendre le thé chez moi. Tu ne connais ni mon ancien chez moi, ni mon nouveau chez moi. C'est elle qui est venue vous dire que j'habitais, que je vivais dans les foyers pour femmes battues, que j'étais sans papier, que je n'avais même pas, que je n'ai même pas le passeport camerounais. Que c'est elle qui m'a trouvé mon logement social. En gros, c'est cette femme qui a fabriqué toute ma vie en France. Et maintenant, elle veut faire croire que c'est elle aussi. Ma carrière dépend aussi d'elle. Ça, je n'accepte pas. Et vous me dites que je ne dois pas parler. Vous dites que je ne dois pas parler. Donc, moi, je suis avec ma seule malchance. C'est d'avoir voulu aider une pauvre lot. Voulu aider une assistée. Une abandonnée par ses soeurs. Une que tout le monde a vomi. Donc, vouloir l'aider. C'est ça qui va me suivre toute ma vie. Donc, toutes mes réalisations dans ma vie, on va lui attribuer ça. Vous réalisez ce que vous me demandez? Vous pouvez faire ça, vous? Vous pouvez accepter ça? Vous pouvez accepter ça? Mais moi, je vis bien avec elle. J'ai tout plus qu'elle. Tu vois, c'est moi une sale chose qui se compare à moi. D'abord, tu ne peux pas avoir tout plus que moi. Parce que tu as faim, tes filles ont faim. Tu as compris? Moi, toute ma famille est à l'aise. Je suis la plus pauvre de ma famille. J'ai dit que je suis la plus pauvre. Ma petite soeur a l'argent plus que moi.
Mon grand frère, ce qui est normal, ils ont l'argent plus que moi. Je suis la plus pauvre de ma famille. Donc, par où ma mère a l'argent plus que moi. Donc, par où toi, tu vas quitter pour dire que je suis mieux. Alors que toi, toute ta famille misère là-bas au Cameroun, on t'appelle pour soigner ta mère. Ma grand-mère est en vie. Ma grand-mère a bientôt 100 ans. On ne m'a jamais appelé depuis que je suis ici à Mbem. On ne m'a jamais appelé pour me dire que ta grand-mère a besoin de soins. Et jamais. Jamais. Tu comprends? Ça dit que même ceux qui sont payés avec elle là, c'est la grand-mère, la mère de ma mère, l'arrière-grand-mère de mes enfants. Tu as compris? Elle a bientôt 100 ans. On ne m'a jamais appelé ici. Que c'est chaud, envoie 50 millions, on va la soigner. J'ai dit jamais. Ça va bientôt faire 18 ans que je suis dans ce pays. Je n'ai jamais envoyé mes 5 francs pour soigner ma grand-mère. Pour soigner qui que ce soit, même d'ailleurs dans ma famille. Parce que ma mère, là, mes tantes, chacun d'eux, chacun a sa vie, chacun a réussi. Et tu penses que moi, elle peut souffrir? J'ai les charges comme toi. J'ai une famille qui compte sur moi là-bas en Afrique comme toi. Hein? J'ai toujours dit ici que je m'estime déjà heureuse du fait que ma famille ne m'appelle pas pour me demander l'argent. Ça n'existe pas. Chez nous, les Bamilekés, tu vois, non? En tout cas, moi, dans ma maison, là, ça n'existe pas. Ni ma famille paternelle ne m'appelle pour me demander l'argent. Ni ma famille maternelle, ne, encore moins même la maternelle. Parce que chez les paternels, il y a mes petites nièces là qui ont voulu me faire les choses des jeunes filles, que les habits. Ça encore, c'est les conneries. Les habits. C'est tout ce qu'elles m'ont demandé. Personne dans ma famille ne m'appelle pour me dire que j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis. Personne ne m'appelle pour dire que, pardon, je vais aller me soigner. Jamais. Ça, ce sont mes connaissances. Ce sont mes connaissances qui peuvent m'appeler que je suis malade. Personne dans ma famille. Tu peux en dire autant. On est souvent ici en ligne, on entend quand ta mère, on appelle que ta mère, il faut envoyer l'argent pour la soigner. Et toi, tu vas me dire que tu es mieux que qui? Tu es mieux que qui? Hmm? Quand je me suis retrouvée à la rue, je dormais chez ma mère. Oui, chez ma mère. Et tu dis que tu es mieux que moi? En quoi? Et si chez ma mère, ça me dépassait, il y a la maison de ma soeur. Si chez ma soeur, ça me dépassait, il y a mon frère aussi ici en France. Si ça me dépasse, il y a mon frère en Belgique. Si ça me dépasse, il y a mon cousin, il y a mes cousines. Tous ont l'argent plus que moi. Laisse-moi te dire ça, parce que chez nous, tout le monde va à l'école. C'est pas un... Tu comprends? Moi, je suis la folle de la famille, l'artiste de la famille. Eux tous là, ils ont choisi les voies normales. Ils sont allés à l'école, les grandes études. Ils ont fait les bonnes écoles pour avoir les bons salaires à la fin. D'accord? Moi, je me suis arrêtée ou je me suis arrêtée. Et puis, j'ai dit, merde à ça. J'ai ce qui me suffit. Je sais ce que je veux faire. Tu comprends? Tu as réussi quoi ici? Moi, je suis venue ici avec un visa étudiant. Et j'ai eu mes diplômes. Tu comprends? Quand il parle à la préfecture, il y a ce que toi, tu vas payer pour avoir ta nationalité là. Moi, on ne me demande pas de payer ça parce que j'ai eu des diplômes en France. Vous là, qui pensez que l'école ne sert à rien, vous allez payer un truc là si vous n'avez pas eu de diplôme ici là. Pourquoi on renouvelle vos kaolos? Vous payez. Moi, je ne paye pas ça. Tu as compris? Parce que j'ai rempli ma part du contrat dans ce pays. Je suis venue là en disant que je viens pour l'école. J'ai fait l'école. Ils ont confirmé. Et maintenant, ce que j'ai appris à l'école, je mets ça à leur service ici. Je travaille et je paye mes impôts. Toi, un bangando, un allo white est venu te chercher. Un atangana fini. Il est venu te ramasser là-bas. Dans ton trou, tu étais là-bas au Cameroun. Il t'a ramené avec tes enfants, la pitié. Tu n'as pas été capable de tenir le mariage. Tu n'as pas été capable de t'occuper de ce monsieur. Tu le maltraitais dans la maison. Tu ramenais les amants. Tu ramenais les junkies comme toi dans la maison. Vous vous droguiez dans la maison du monsieur pendant qu'il est couché en soins palliatifs. Toi, tu es en train de vivre la danzaille avec tes pineurs. Hé, hey, les ozotes, tu as réussi quoi? Le monsieur est mort. Tu es là. Tu as le passeport Bordeaux. Tu as réussi quoi? Quand tu dis que tu as tout plus que moi, tu as quoi plus que moi? Toi qui as été marié au blanc pendant longtemps, tu es arrivé en Beng depuis, sûrement avant moi. Tu n'es pas française.
Tu n'es pas française. Tu n'es pas propriétaire en France. Tu es dans l'HLM. Femme de blanc, hein? Tu as fini dans l'HLM. Moi, je suis où je dois être. Jeune mère célibataire. Maman solo. Les HLM là, c'est pour nous qu'on on fabrique ça. C'est pour nous qu'on fabrique ça. D'accord, les HLM. Toi, tu fous quoi dans l'HLM? Ancienne femme de blanc. D'après toi, fortunée, où sont tes possessions? Où sont les maisons que ton mari t'a laissées? Tu dis que tu as tout plus que moi. Tu as quoi? Avant d'arriver à plus que moi, tu as quoi? Tout court. Tu as quoi? Tu as les fiches de paye dans le pays ici? Tu as les fiches de paye ici? Maintenant que la monétisation donne folle, hey, c'est encore pire. Tu vas manger quoi? Tu as une pension alimentaire? Les gens parlent de pension alimentaire. Vous ne savez pas que pour avoir une pension alimentaire, il faut avoir travaillé? Il faut avoir travaillé pour avoir une pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est la retraite. Ça découle de la retraite du mari. Lui-même, il vivait sous la haute, comment on appelle ça? Il vivait dans les poches de sa mère. Vous vous droguiez dans les poches de sa mère. Et tu viens faire croire aux gens ici là que tu attends quelque chose. Depuis quand on hérite de la belle-mère? Depuis quand on hérite de sa belle-mère? Les ayants droit, ça devrait être tes enfants. Mais comme Desgrémont est parti à la préfecture, dit qu'on ne doit jamais te donner la nationalité là. Mon petit doigt me dit qu'il a fait la même chose avec Temuna. Pareil, je ne comprends pas pourquoi c'est toi qui pars en justice. Ce sont les filles-là qui sont les ayants droit. C'est elles qui doivent aller en justice revendiquer. Toi, tu n'as aucun droit sur l'héritage. L'héritage, c'est pour les enfants. Venez vous asseoir, les warriors Toto. Comment vous racontez les bêtises avant de vous asseoir? Ah, ma veuve, je t'aime trop, ma veuve. Des tombapes comme ça là. On peut faire ça? On peut accepter d'être bête comme ça? Je répète en français facile. Quand un monsieur décède, quand quelqu'un décède, à moins que vous n'ayez signé communauté des biens, l'héritage appartient aux enfants. Tu comprends? L'héritage appartient aux enfants et non à la femme. Quand vous avez écouté pour Johnny Hallyday avec Laetitia et les enfants, vous avez entendu que Laetitia a quelque chose sur ça. Vous pensez que ça bagarrait pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le droit de déshériter les enfants. La loi française l'interdit. La loi française interdit que tu déshérites ton enfant. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas, même si tu veux. Alors, par comment? Toi, ton mari, d'abord, qui n'avait rien, vous viviez sous la coupe de sa mère. Il a douf avant sa mère. Sa mère a douf. On t'a vu ici souhaiter la mort à sa mère pour vite toucher son argent. Et quand moi, il parlait qu'elle doit mourir, vous pleurez. Pourquoi? Quand elle souhaitait la mort à la grand-mère de ses filles, ça ne vous faisait pas mal? Hein? Ça ne vous faisait pas mal? Hein? La grand-mère douf. Maintenant, elle vous dit qu'elle part au tribunal pour discuter les biens. Quand tu me racontais tes bêtises au téléphone, il n'y a rien à mon cœur. Que celle-là, elle pense que c'est la façon qu'elle ment à ses abonnés-là. Moi, en fait, ça ne m'intéressait pas. Tu vois? Moi, ça ne m'intéressait pas. Tu trompes les gens qui sont assis là-bas à San Melima, qui te regardent avec leurs 2 mégas-là. C'est eux que tu trompes. C'est eux que tu trompes, pas nous. Pas nous. Hein, sapac. Tu pensais que tu pouvais me mentir? Quand quelqu'un ment, c'est ta vie, tu n'es personne pour moi. Donc quand tu mens, je te regarde et ris. Ah, c'est sa vie, oh. Elle ment à qui? C'est à elle qu'elle ment. Moi, je connais la vérité. Moi, je connais la vérité. Pardon, Jean-Louis, laisse-moi tranquille. Tu as compris, non? Va partager les choses des stars. Laisse-moi. Comme tu viens ici là pour chercher aussi qu'on te voit, je sais que tu as ta nouvelle page. Allez vous abonner, ne viens plus faire semblant. Allez vous abonner sur sa nouvelle page. Comme ça, il ne va plus venir se balader ici et faire semblant de nous considérer. Parce que chaque chose, chaque jour, chaque temps, on sort la musique. Tu n'as jamais partagé. Hmm? Tu m'appelles grande sœur. Je n'ai jamais vu ma tête dans tes vidéos. Donc moi, je suis personne à toi. Viens te chercher comme tu viens te chercher là.
Allez vous abonner à sa nouvelle page. Oh. Je sais que c'est pour ça qu'il est là. Allez lui donner ça. Comme ça, il va arrêter de faire semblant ici sur notre page. On va continuer. Je ne suis pas ta soeur. De maison en maison, je vis très bien de maison en maison. Tu as fini chez Nata Connerie. Maintenant, tu es chez celle-ci de maison en maison pour qu'on te nourrisse le temps que tu vois clair. Eliso, Eliso, je t'ai dit, ma chair est amère, Eliso. Ma chair est dure comme caillou. Oui ou non? Ma chair est amère. On a retiré la monétisation. Quand on a retiré la monétisation, quand on voyage le monde entier, sans monétisation, qu'est-ce que vous croyez? Et tu es contente? Oui, moi ça m'a fait mal. Combien de stars dans les réseaux sociaux, quand vous me faites vos vidéos, à mettre sur la musique comme j'ai fait ce matin, je ne fais pas pitié, la pitiation, c'est tout. Vous avez entendu? Pardon, partagez le live, ça m'énerve là. Le mercure est descendu. Vous avez entendu? Elle l'a fait par pitié. Elle l'a fait par pitié. Où sont les gens qui venaient ici dire que elle est humble, elle est une bonne personne. Vos mamans, vous avez compris, non, mamie pime à vous tous. Que vous trouvez encore sur ma page à venir écrire vos saletés là. Venez encore écrire ça sur ma page. Ma page, ce n'est pas la République du Cameroun. Ma page, c'est ma page, c'est la dictature. Vous avez compris? Vous ne venez plus me contrarier sur ma page. Sinon, je te lave bien. Je lave ta maman, ton papa, tes aïeux. Et puis, je te dégage de ma page. Et tu vas aller pleurer sur les pages au Congo, ça où vous partez souvent. Je ne gère pas. Je ne gère pas. Je ne gère pas. Tu ne fais pas les vidéos, non, Jean-Louis. Quand tu faisais, tu me voyais. Tu me voyais, mon petit. C'est pas bon ce que vous faites là. Vous aimez vous coller chez les gens qui ont déjà réussi. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui a réussi de demain. Tu vois un peu? Donc mieux, tu t'alignes maintenant. Parce que moi, je suis rancunière. Je vous dis déjà ça. Quand je serai là-bas devant, si tu ne me calculais pas dans mon hier, c'est pas dans mon maintenant là. Ou dans mon futur là, moi, j'ai été calculé. Oui, je suis comme ça. Profitez maintenant que je suis encore accessible. Passez-moi avec Brice. C'est quelque chose qui est écrit. Vous avez compris? Et Veuve Ndoti le sait. C'est pour ça qu'elle s'accroche à moi. Parce qu'elle sait que je vais Brice. Parce que c'est toutes des sorcières qui se baladent de marabout en marabout. Elle sait que je vais Brice. Donc, elle s'accroche à moi. Pour que je lui sois redevable. Pour que vous, sur la toile, vous me mettiez la pression. Ce que vous êtes en train de faire. Oh, Shiga, tu aimes trop les problèmes. Tu es trop haineuse. Oh, la veuve a montré son bon cœur. Hein? Elle a un bon cœur. Elle n'est pas comme toi. Toi, tu es haineuse. Tu ne veux pas faire la paix. Bon, maman, vous avez compris? Faire la paix. C'est comme ça que vous poussez les gens à aller manger leur poison quelque part. Vous m'appelez quoi, paix? La paix de la bouche? Hein? La paix de la bouche pour que j'aille m'asseoir là-bas et je bois mon poison. C'est comme ça que vous poussez les gens dans l'hypocrisie et ça s'empoisonne comme du n'importe quoi là-bas dans votre pays. Parce que vous ne connaissez pas rester seul. Vous pensez que l'amitié, c'est obligé. C'est obligé de marcher avec les gens. C'est obligé de faire ami-ami avec tout le monde. C'est obligé. Et pour vous, vous avez ce truc au pays. Dès que deux personnes collaborent, ça veut dire qu'elles sont amies. Enlevez ça de vos têtes. Moi, il en faut beaucoup plus pour que j'appelle quelqu'un mon ami. On ne va pas être amis juste parce qu'on se parle de temps en temps. Non. Non. Pour être amis, nous devons avoir des points communs. Nous devons avoir des intérêts communs. Nous devons aimer les mêmes choses. Parler, nous devons nous faire un minimum de confidence. Si j'avais confié ma vie à cette chienne-là, c'est qu'elle vous en aurait raconté une seule version, pas 15. Parce que j'ai entendu que ma mère balait le sol à Saint-Lazare. Après, j'ai entendu que ma mère vend les aubergines à Château-Rouge. Après, j'ai entendu que je vends le piment à Saint-Germain-en-Laye. J'ai encore entendu que je vendais à Montrouge. On ne sait même plus. On ne sait même plus. Tellement de versions de ma vie. Tellement de versions de ma vie.
manipulent le public et puis ils viennent s'acharner sur moi. C'est ce qu'elle a fait. Oh, je lui ai trouvé la maison. Elle sait très bien que dès qu'elle va dire un truc comme ça, vous allez venir dans vos émotions. Oh, tu es ingrate. Oh, tu es ceci. Oh, Shiga, comment tu fais ça? Oh, vraiment, tu as un mauvais fond. Vraiment. Et vous tombez tous comme du n'importe quoi. Et vous attendez qu'elle va mourir pour venir ici. Oh, elle disait la vérité. Vraiment, on n'a pas compris l'enfant là. Elle était incomprise. Voilà le mot qu'ils ont découvert avec la mort d'Arafat. Je ne vous pardonnerai jamais la mort d'Arafat. Oui. Comment vous avez persécuté le gars là? Je parle de nous les Africains. Je parle de nous les Africains. Ce qu'elle fait, c'est du harcèlement. Merci Tata Alexandra. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens ne comprennent pas. C'est du harcèlement ce qu'elle fait. Parce qu'elle veut m'obliger à m'allier à elle. En vous utilisant vous. Tu aggraves ton cas. Hein? Eliso, tu es en train d'aggraver ton cas. Ton 2023, si. Je ne sais pas où ça va te trouver. Voilà le son de l'heure. Le son qui fait que les ennemis veulent devenir amis. Les ennemis veulent venir nous coller. Nous coller pour gratter notre gloire qui est en train d'arriver. Vous êtes vaincus. Le feu sur vous. Le feu. Holy Ghost fire. Fire. Hé, hey, Eliso, merde, on peut pratiquer la sorcellerie comme ça? On continue. Dites-moi si la balance est bonne. Oui, tout ce que vous avez arrivé là, oui. Pour moi, tu es une personne que moi j'ai aimé. C'est elle qui m'a mis à Facebook, elle qui m'a ajouté à Facebook. Petite assure, c'est tout. Oui, tout ce que vous avez arrivé là, les réseaux sociaux, quand vous faites vos vidéos, à mettre sur la musique comme j'ai fait ce matin. Je l'ai fait par pitié, c'est tout. Le gros cul de ta mère. Tu as compris? Il faut avoir pitié de ton frère jumeau qui souffre là-bas au pays. Il faut avoir pitié de ta vieille mère que tu n'arrives pas à soigner là-bas au Cameroun. Le gros cul de ton sale cul baveux. Ton sale anus baveux. Oui, parce que toi, quand on te tu chies sur toi. Voilà, c'est la dernière fois que tu joues ma musique dans tes lives. Voilà ça que j'ai dit devant vous tous. Je lui ai interdit de jouer ma musique dans ses lives. C'est tant encore, je ferme ses pages. Vous avez compris? Jusqu'à preuve du contraire, c'est ma musique. Je suis propriétaire. Tu tentes encore de jouer ma musique. Je ferme tes pages. Comme tu joues ma musique par pitiation, je te demande encore par pitiation de me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne t'ai rien demandé. Elle a cité Lolo, elle a cité Fleur de Lille en disant que oui, elles sont là, elles ne jouent pas ma musique. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et qu'elle joue ma musique par pitiation. Donc vous les bamilequez, vous ne soutenez pas votre soeur et moi je la soutiens par pitiation. Est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Ou je dois vous faire un dessin? Je dois vous faire un dessin. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Le gros cul de ta mère. Attends, je te dégage ma page. C'est ta maman qui est vulgaire. Sinon, elle n'aurait pas écarté ses sales fesses galeuses pour te concevoir et t'accoucher après. Maintenant, tu te tires de ma page. Voilà. Il ne supporte plus les saletés comme vous. Vous sortez même d'où? Ça sort d'où? Je fais les lives. Je veux que les notifications atteignent mes vrais fans qui ne me voient pas depuis, qui ne reçoivent plus mes notifications. On envoie ça au tombeau comme ça, aux asticots. Merde. Il a dégagé du live. Vous entendez? Que par pitiation. La vidéo aussi. Je vais garder ça. Je vais la poster sur mon mur. Et ça va rentrer dans mes pièces à conviction. Parce que ça, c'est clairement du harcèlement. C'est du harcèlement. Oui, tout ce que vous avez oui. Mais pour moi, c'est une personne que moi j'ai aimée. C'est elle qui m'a mis à Facebook, c'est elle qui m'a... Moi, je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas. Tu as compris? C'est moi qui avais pitié de toi. C'est moi qui avais pitié de toi, petit morpion affamé que tu sois, obligé de se balader de maison en maison pour manger. Voilà où tu es réduite. La monétisation est finie.
Tu es obligé de te balader partout dans les maisons du sud là-bas. Hein? Pour manger. Moi, je dors chez moi, je suis chez moi ici. Je ne mange pas chez les gens. Je ne mange pas chez un peu, ça pas comme ça. Jusqu'à tu sais, toi, ton poisson sec que tu m'as donné quand tu es venu chez toi, que je me suis forcé à manger par politesse. Pas et tu me faisais que le manier. C'est bon, non? C'est bon, non? Pour ne pas te blesser. Tu es sûr que ta bouffe est bonne, tu me demandes? Tu es sûr de ta bouffe, tu me demandes? Le poisson sec, 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 sec. Si c'était bon là, tu n'avais pas avoir besoin de me demander. Quand c'est bon, moi, j'ouvre ma bouche, je parle. On ne me demande pas. Tu as compris? Moi, une pourriture comme ça. Tu te balades de maison en maison pour manger. C'est toi qui fais les SOS ici. Oh, madame Moudiki là-bas. Oh, tel là-bas. Oh, tel là-bas. C'est toi qui vis de dons. C'est toi qui passe ton temps à commander. Et tu viens me parler que tu vis mieux que moi. Co-pitiation. Toi, tu peux avoir pitié de quelqu'un. Tu ressembles à la pitié. Tu es la sœur jumelle de la pitié. Toi, tu peux éprouver de la pitié pour quelqu'un. Quand c'est ton colocataire dans l'utérus. La pitié était ta colocatrice dans l'utérus. Chienne. Tu es née pauvre. Et tu es toujours pauvre. Et tu vas mourir pauvre. Tel est ton destin. Vieillerie comme ça là. Tu parles à qui? Compitiation. J'ai dit, je ne peux plus entendre ma musique dans tes lives. Te voilà prévenu. Je ne veux pas de ta paix. La paix n'est pas forcée. La paix n'est pas forcée. Si la paix, quelqu'un refuse de faire la paix avec toi et que tu insistes, c'est du harcèlement. La paix, quel genre de paix? La paix, c'est de prendre ma musique, la jouer et venir dire que tu la joues par pitiation. Que tu joues ma musique par pitié. C'est ça la paix. Et ah, les gens qui vous suivent font comment? Les gens qui vous suivent font comment? Dans la paix, c'est de jouer ma musique par pitié. Hein? C'est ça la paix? Donc tu ne viens pas demander pardon pour tous les mensonges que tu as proférés sur moi. Ta paix, c'est venir jouer la musique. Ok, il va te montrer. Ne bouge pas. Sauf pour qu'elle ait pour encore les vues, qu'elle change pas sa façon de parler, les vues. Vous ne parlez quoi? Hein? C'est marrant, hein? Au chez elle, là, c'est pas le son, là. Quand elle dit que, oh, ce soir, il y aura. Vous êtes combien à partager? Même pas deux personnes. Regardez le mensonge. Regardez le mensonge. Regardez le mensonge. Écoutez-vous-même. Après, vous allez dire que non, tu es ingrat, tu es ceci. Regardez comment quelqu'un ment avec une légèreté, une facilité incroyable. Elle vous dit qu'il n'y a pas les likes sur mes vidéos. Il n'y a pas les likes sur mes trucs. Donc, ce sont les moutons ou c'est moi qui compte mal. On va aller regarder. Parce que je n'aime pas le bavardage. On va donc regarder ce qu'elle dit que... Il n'y a pas les likes sur mes posts. C'est ce qu'elle dit, non? Voilà. Dans ça, là, le but, c'est que je me mette à déprimer. Voilà. Que je me mette mal. Que me disent que, oh, franchement, mes gens ne me soutiennent pas. Mes soeurs Bamileke ne me soutiennent pas. Elle me soutient. Et puis, je vais encore aller me mettre en bas d'elle. Le gros cul de ta mère. Tu as compris, Eliso? Elle est en train de vous insulter. Vous pensez qu'elle parle à qui? Elle est en train de vous insulter. Elle insulte mes scarabées. Et elle insulte les mon ethnie. Elle est en train de dire que les Bamileke ne me soutiennent pas. Elle a cité les blogueuses de Bamileke que je ne citerai pas. Et donc, j'en ai rien à foutre, en fait. Qu'elles soutiennent ou qu'elles ne soutiennent pas ou. Je m'en fous. Je ne veux pas qu'on me soutienne. Je veux qu'on apprécie ma musique à sa juste valeur. Je ne veux pas la pitié de quelqu'un. Si ma musique ne vous plaît pas, elle va trouver sa cible. D'accord? Parce que ma musique est bonne. Ça, c'est pas yaya. Personne ne peut se lever venir me dire que ta musique, c'est de la merde. Personne. Par contre, ça peut ne pas être ton goût. Je respecte. Je respecte. D'accord? Ça peut ne pas être ton goût. Laissez ceux qui vont aimer. Ne venez pas me soutenir. Par pitié, qu'on soutenir. Je ne veux pas le soutien. Je veux la reconnaissance qui m'est due. Ce mot soutien-là, ça se balade un peu trop. Chez nous, les francophones. Tu n'entends pas les anglophones parler de soutenir quand ils vont dans leurs événements. Je parle des Nigériens, je parle des Américains. Je parle de tous les artistes qui ont une vraie carrière. Pas nous, les Camerounais, qui souffrons comme de la merde. Je ne veux plus ce mot soutenir là sur mes choses.
Je parle de reconnaissance à mon niveau. Ce n'est pas du soutien que je cherche. Vous avez compris? Je connais ma valeur. Ce que je veux, c'est que ma valeur soit reconnue. Pas que ma valeur soit soutenue. Est-ce que vous mesurez la portée des mots? Vous mesurez la portée des mots? Voilà donc ce que les énergumènes se permettent de dire sur vous et moi, les scarabées. Hein? Que nous, on passe notre temps à insulter les gens sur Facebook et que notre musique... On ne s'occupe pas de notre musique, en gros. Nous ne faisons pas la promotion de notre musique. C'est elle qui est venue nous sauver. Et vous dites que je ne devais pas sortir. Je ne devais pas sortir. Vous-même, dites-moi. Avec ça. Pardon, mettez les likes et les j'aime. C'est maintenant, ça va encore commencer. Ça va encore commencer. Je vais vous faire écouter la suite. La suite. Merci, Nathalie. Qui me dit « proud of you ». Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est important. Nous sommes en promo. Je suis restreinte. Vous voyez, je m'énerve, je pleure ici, je crie. Et la salope, voilà ce qu'elle vient dire de vous. C'est à cause d'elle que j'ai publié cette vidéo-ci, encore. Je vais donc vous dire. Regardez le nombre. Vous voyez le nombre de vues sur cette vidéo. Tout ça c'est long. Attendez, on va faire ça bien. Vous avez vu la date? 15 septembre 2020, il y a 2 ans. Vous avez vu le nombre de vues? Vous avez vu le nombre de vues? Ok. Vous avez vu le nombre de likes? Ok, c'était en 2020. Je la connaissais. Je la connaissais. Mais on me dit aujourd'hui que moi, je ne te connaissais pas. C'est derrière la veuve que j'étais connue. Comment je dois me sentir quand je lis des choses comme ça sur ma page? Donc, en fait, vous êtes en train de dire que tout moi, mon travail, je ne faisais rien. Et que je suis la créature de cette femme. Mon logement, oh, c'est elle. Mes papiers, oh, c'est elle. Ma musique, oh, c'est elle. Tout, c'est elle. Toute mon existence. Même ma mère ne m'a pas accouchée. Si on peut fouiller, juste que je suis son embryon. Toi qui viens dire que je t'aime, c'est pour ça que je vais tout te dire la vérité. Va te faire foutre. Tu as compris? Moi, je ne t'aime pas. Ne m'aime plus. Tu me manques encore de respect sur ma page. Tu dégages. Tu vas aller aimer quelqu'un d'autre. Quand vous êtes en commentaire, vous me parlez mal. Hein? Quand vous arrivez en live, vous parlez doucement. C'est bien. Ça veut dire que ça commence à rentrer. Je vais vous traiter. Je vais vous traiter sur ma page. Parce que nous, les Camerounais, nous avons besoin d'éducation. On va d'abord changer le jargon sur ma page. Je ne veux plus lire que « je te soutiens ». Non. Je reconnais ton talent. C'est ça que vous allez écrire maintenant sur ma page. Tu écris « je te soutiens », »,« je te bloque ». Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je n'ai pas besoin de votre soutien. Allez soutenir les gens qui ont faim. Vous avez compris? Je ne suis pas entrée dans la musique pour manger. Je suis entrée dans la musique pour réaliser mes rêves. Pour vivre ma passion. Ma passion. Donc, ce n'est pas selon vos règles. C'est selon les miennes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le producteur. C'est moi la chanteuse. C'est moi la productrice. Vous avez compris? Ce sont mes masters et pour mes ayants droit. Vous avez compris? Il est venu me manquer de respect sur ma page tout à l'heure. Un chien. Il écrit sur ma page que j'étais très fan de toi. Mais tu n'es pas humble. Tu n'es pas ceci. Et maintenant, il vient faire le canard ici en live. Donc, toi, tu es fan de moi. Tu m'aimes. C'est pour ça que tu n'as pas écrit sur ma page où il y a des étrangers qui vont me découvrir. C'est pour ça que tu écris sur ma page que j'étais fan de toi. Mais tu es comme ci, tu es comme ça. Tous ceux qui viennent sur ma page, qui me critiquent, qui me dénigrent sur ma page, je vous bloque. C'est 2023. Vous ne voulez pas acheter mes tomates circulées. Ne venez pas laisser les commentaires sur mes tomates alors que vous n'avez pas payé une. Ça, c'est pour nuit. Je vous connais. Je suis sur la toile depuis très longtemps. On ne me la fait pas.
Faites ça aux artistes qui donnent leur community manager à d'autres. Ma page là, je me suis faite toute seule. Sans devenir la chinda d'une blogueuse. Sans aller racoler les lives partout, partout, partout comme certaines. D'accord? Je ne vous permets pas de venir détruire mon travail. La personne qui va encore faire le gros cul de sa mère pour venir écrire sur ma page que je t'aime bien, mais... Je t'aime bien, mais tu es trop. Je t'aime bien, mais tu es trop. You mami pima. Je suis trop par rapport à quoi? Toi, tu es qui pour fixer la mesure? Tu es qui? Tu ne m'as pas manqué de respect? Ok, on va lire son commentaire. Il va te traiter ici, comme c'est ce que tu veux là. Tu vas avoir ça. Tu m'as fait part de ton ressenti, hein? Va te faire foutre. Ton ressenti, je suis psychologue. Je suis ta psy. Et ton ressenti, c'est le mensonge. Quand tu viens dire que tu es un de mes fans, tu es un fan à quel niveau? Je te connais où? Tu as publié ici sur ma page. Tu as mis une recommandation sur ma page. Tu as partagé. Cliquez sur son truc. Allez voir s'il y a une seule de mes publications sur sa page. Allez voir s'il a partagé ma musique. Comme il est fan. Il y a un nouveau son qui est sorti, non? On va aller voir si tu as partagé la musique. On va faire ça doucement. Il va vous traiter aujourd'hui. Moi, les saletés comme ça, vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Merci ma Sissi pour les étoiles. J'ai même oublié. Sissi dit c'est ton trop que nous on yamo. Voilà. Et je préfère maintenir aux gens qui me yamo et qui me reconnaissent. Qui reconnaissent mon talent dans mon trop là. Mon trop agressif. Mon trop ceci. Ça ne les empêche pas de reconnaître mon talent. Toi, tu m'aimes trop, mais tu ne vois pas mon talent. Tu ne vois que mes défauts, mes biazoutes. Attendez, je ne vais pas voir. On va aller regarder sa page. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Vous allez vous exposer ici, un à un à un. One by one. Je vais trouver la publication là. Où le chien là est venu commenter. Merde. Vous faites dans quoi? Son nom, c'est quoi encore, dis donc? Comment je ne le retrouve pas? Tétard comme ça. Et on ne doit pas vous insulter. Vous venez manquer de respect aux gens sur leur page. On ne doit pas vous insulter. Mais voici mon téléphone, il n'est pas où. Loin des critiques, car tu es doté de talent. Je le dis chaque jour. Tu dis ça chaque jour où? Et c'est seulement aujourd'hui qu'on te lit. Et toi, tu es qui pour que ce que tu disais de la valeur? Donc, tu penses que quand toi, tu dis quelque chose, ça a plus de valeur. Tu te connais? Tu n'as rien partagé, menteur. Si tu avais partagé ton nom, ça allait s'afficher à côté, partagé, soigne. Imbécile comme ça. Attends, je lis ton nom. Il va te trouver ici, il va te faire ta fête. Quand vous êtes en commentaire, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort jusqu'à vous parler beaucoup. Regardez le tétard qui vient me parler. Avec ta grosse tête. Tu es vraiment comme un tétard. Regarde-toi ici. Un chien. Tu viens m'écrire que, oh, Veve, c'est ma grande sœur. Regardez l'enfant qui vient me parler. Tu as quel âge? Quand tu viens me dire que ta grande sœur, moi, je suis ta grande sœur, tu te permets de venir te mêler des choses de tes grandes sœurs. Tu connais que ça a commencé où? Tu connais quoi de la vie? Tu connais quoi? Regardez-le. Regarde-toi. Regarde-toi. Et tu viens me parler. Regarde-toi. Tu sais quel âge j'ai? Toi là, tu es mon petit frère. Je n'ai même pas besoin de chercher loin. Tu connais mon âge? Comme tu es trop fan de moi là. Tu connais mon âge? Tu connais mon âge? Tous mes fans savent que je ne supporte pas qu'on vienne me dénigrer ici sur ma page. Si tu as des revendications à faire, mon DM est ouvert. Si tu viens me salir sur ma page, je te descends. Je ne te donne pas l'heure. Voilà. Parce que les lois que vous avez instaurées de telle sorte que les artistes n'ont que le droit de se taire. Et de supporter tout ce que vous faites. Comme si on était des robots. Moi, c'est fini. Mon air là,
Moi, je suis là. Je suis les artistes. C'est-à-dire, je fais partie de la génération 2.0. Les nouveaux artistes. Nous, on ne se laisse pas faire. Tu as compris? Attendez, bloque celui-ci. C'est toi qui vas aller chier avec ta maman. Sapac. Voilà. Merde! Magie! Magie! Comment je n'arrive pas à accéder? Personne qui... Je cherche les commentaires du chien là. Parce que je n'aime pas. Quand il écrit là que non, je n'étais pas insultée. Les gens vont croire que c'est moi. Hein. C'est comme ça que ces gens font toujours. Ils viennent, ils disent des choses sur toi. Après, ils nient. Et puis, c'est toi qu'on fait passer pour une malade. C'est toi qu'on fait passer pour une tarée. C'est pour ça que je prends mon temps. Attends. Ta maman, ton grand-père, tes aïeux. Maintenant, tu vas regarder seulement à la fenêtre. Saleté, mouf, bâtard. Tu vas regarder à la fenêtre maintenant. Voilà. Et moi, il peut continuer de t'insulter comme je veux. Chien. Allons-y. Je vais vous montrer le truc du gars là. Ensuite, on va continuer. C'est important parce qu'il y a les nouveaux qui nous regardent. En vérité, tu rends service à beaucoup sur certaines limites qu'on dépasse facilement par mauvaises habitudes. Moi y compris. Merci maman. Est-ce qu'ils comprennent ça? Maman, tu demandes la chanson, c'est mon gars. Et tu n'as même pas partagé. Même une étoile comme ça, tu ne peux pas mettre à ta fille pour la féliciter ou l'encourager. Non. Vous allez seulement venir me dire comment. Oh, pourtant tu as beaucoup de talent, hein. Mais tu es insolente. Mais tu es ceci. Mais. Hé! Hey! Seigneur. Je vais vous montrer ce que le gars là a écrit. C'est important que je le fasse, mes scarabées. Vous savez pourquoi? Parce que les nouveaux venus doivent savoir ce que nous endurons. Ils doivent comprendre d'où part ma rage. Vous comprenez? Ils doivent comprendre. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que non, elle est haineuse, elle est ceci, elle est cela. Donc, on doit leur faire comprendre que les gens qu'on insulte là, c'est parce qu'eux aussi viennent d'abord nous insulter. Le voici ici. Voici le chien là ici. Attendez, je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer ça correctement. Vous allez voir la sorcellerie que quelqu'un dit qu'il n'a pas manqué de respect. Il a parlé de son ressenti. Regardez, voilà son ressenti. Le voilà. Voilà ça. Elle est très orgueilleuse, cette fille. Et un orgueil sans queue ni tête. La veuve ne fait pas parce qu'elle cherche l'amitié avec elle, mais pour la paix et laisser le passé derrière. Voilà mon fan, hein. C'est mon fan, hein. Voilà mon fan, hein. Et je vais vous trouver ces autres trucs. Attendez, voici tout ça. Les romans qu'il m'a laissé ici. Voilà ça. Voilà. Les voilà sur ma page. Les voilà partout, hein. Il a le temps, hein, pour déposer, me poursuivre partout. Il a le temps. Mais le chien ne peut pas aller partager ma musique. Lui qui est fan, hein, il a le temps pour venir défendre les énergumènes sur ma page. Tu aimes aussi trop bavarder pour rien. Faut être humble. On te l'a déjà dit ici plusieurs fois. Si ta grande sœur est venue avec un nouveau cœur en cette nouvelle année qui commence, c'est un signe de bénédiction. La vie n'est pas toujours les problèmes. Si elle l'a fait de tout cœur, dis merci. Donc elle doit dire merci. Et voilà, voilà le gars qui ne m'a pas manqué de respect. Sans tes gros commentaires là. Elle décide de faire la paix en cette nouvelle année et avancer. Cela ne veut pas dire qu'elle cherche l'amitié. Donc, c'est à moi de m'estimer heureuse que la reine Boulou ait voulu partager la musique de la petite graphiste que je suis. Je dois dire merci et bénir le ciel. Je t'ai déjà dit ici plusieurs fois. Jamais, c'est la première fois que je le lis. Je t'ai déjà dit ici plusieurs fois et je le réitère comme s'il parlait à son enfant. J'ai trop d'admiration pour toi. Le gros cul de ta mère va admirer ta maman. Tu as compris? Ne m'admire plus. Vos admirations là, avec le mépris dedans là, je ne connais pas. L'hypocrisie va vous tuer dans le pays là. Pour tuer quelqu'un, voilà comment ils font.
On te passe l'eau chaude et après l'eau froide. J'ai trop d'admiration pour toi. Vous avez vu l'admiration dans tous les commentaires que vous avez lus là. Et je vous dis que c'est la première fois que je le lis sur ma page. Et vous savez que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Je n'oublie personne. Regardez. Voilà, toujours les commandements. N'écoute pas si, n'écoute pas les gens qui viennent te dire. Et c'est toi que je dois écouter, imbécile que tu sois. C'est toi que je dois écouter. Toi qui ne partages pas ma musique. Toi qui ne fais rien. Je ne vais même plus lire. C'est trop long. Il a mis beaucoup de sales commentaires comme ça. Je ne vais même plus lui donner l'importance. Voilà, tu as eu ton moment de gloire. Profite. Voilà mon fan, hein. Voilà quelqu'un qui est fan de moi. D'accord? Arrête de manquer de respect aux gens qui te dépassent. Fiche le camp, dis donc. Toujours les mêmes choses qui te dépassent, qui te dépassent, qui te dépassent. Tout le monde dépasse pour vous ici sur la toile. Les dépassements dans vos bouches là. Les dépassements dans termes de kilométrage, de bits, oui. Là, on est d'accord. Je n'ai pas leur expérience vaginale. Tu comprends? Ils n'ont pas encaissé le nombre de bits que ces souillus ont déjà encaissé. Si c'est ça là, tu as raison. Elle me dépasse. Oui. De loin. Avec les bits à réu. Les bits et dentéo. Les bits avec les rides sur ça. Elle me dépasse. Oui, c'est pas ma catégorie. Tu as raison. Voilà, toi aussi, qui donc sur les gens que tu trouves que tes gens dépassent. Tu fais quoi sur la page des gens que tes gens dépassent? C'est parce que toi-même, tu as conscience. Tu as conscience que ici, là, c'est pas les 2 à 5. Tu as compris? Soigne. Et ne te bloque pas encore. Tu vas d'abord travailler. Saleté. Maintenant, on retourne sur notre live, là. Parce que ce n'est pas fini, hein. La partie qui vous concerne, vous devez écouter ça. Vous devez écouter ça. Comment cette salope dit que vous ne faites rien pour moi? Elle m'a manqué de respect. Elle a manqué de respect à mes abonnés. Une chienne. Une chienne. Avec tes abonnés qui te donnent les étoiles seulement quand tu insultes les gens. Connasse comme ça. Il va te donner ça. Attends. Poubelle. Il boit le zoom, il boit le lang. Tu es pourri. La vidéo là est où? La vidéo là est où? Voilà, je suis sur la page, ok? Mais pourquoi? Voilà la vidéo. Venez écouter donc. Les fans qui m'aiment trop là. Hein? Aussi là, ces pages sont là. Quand ils disent que ce soit Yoga, vous êtes combien à partager? Même pas 2 personnes. Même pour y aller, c'est pour tout. Vous n'avez même pas 3 personnes. Vous l'aimez quand il s'assoit. Pour insulter la voix joyeuse. Pour insulter la tâche de votre macro. Voilà alors, moi je l'ai fait. Oui. Vous, normalement, quand on aime une personne, on partage cette vidéo. Vous partagez que cette vidéo d'Oshiga, Oshiga insulte les gens. Oui. Vous ne partagez pas quand elle fait sa musique. Celle qui me demande que as-tu les enfants avant de parler comme ça, imbécile que tu sois. Celle qui est en train de parler de moi, elle n'a pas d'enfant. Ou bien quand on accouche, on devient hypocrite. Toi-même, quand tu viens me parler, tu n'as pas d'enfant. Tu me parles à moi que je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Je sais qu'on vous fait croire que le live est fini. Non, c'est un vieux truc.
Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Tu te balades, tu as les enfants. Il faut, le fait d'avoir des enfants, ça fait quoi? Le fait d'avoir des enfants, ça fait quoi? T'avais dit qu'il faut se laisser faire? Ou qu'il faut devenir la serpillère d'une junkie sur la toile? D'une femme qui ne me vaut pas? Hey, chez nous. Combien de personnes te voient à Facebook ont partagé ce mensonge? Voilà. Ma chérie, elle ne reçoit pas. Écoute. Voilà, c'est. Combien de personnes parmi vous ont partagé ce morceau? Elle dit que vous ne partagez pas mes trucs. Ça, c'est quoi, salope? Voici 323 partages seulement pour ta gueule, chiennasse. Voici 20 partages là, sur mon clip. Elle a un peu raison. Voilà le clip ici. Non, ça, c'est pas le clip. Non, ça, c'est tout sa vidéo. Voilà le clip ici. Où ça, où est le partage? Bon, je ne vais pas parler parce que beaucoup d'entre vous vont chercher le partage, vont chercher la vidéo directement sur YouTube avant de partager. J'ai vu beaucoup d'entre vous partager. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Voici ça, voici les partages. Elle me parle de quoi? Toi qui as du mal même à atteindre 30 partages aujourd'hui. Voici mes partages. Voici mes partages. Voilà mes partages. Ce n'est pas parce que ma page est restreinte. Voilà mes partages. Tu veux parler de mes scarabées? Tu veux parler de mes scarabées, chiennasse? Tu veux parler de mes scarabées? Ce sont même tes bêtises sur ma page qui sont le moins partagées. Tu vois, la preuve que mes abonnés ne sont pas férus de Congo, ça. Tu veux parler? M'aide. Tu veux parler? Voilà, coucou. Coucou qui a tué ça. Tu as compris? La jalousie veut te tuer. Parce que la vidéo, le coucou est en train de prendre. Parce que tout le monde, c'est elle qui va prendre les honneurs. Comme tu veux les honneurs, là, toute ta vie, les honneurs, les honneurs, les honneurs. Voilà ça. C'est toi qui partages, c'est toi qui mets les étoiles là, chienne que tu sois. À passe-mandi, assistée, éternelle mendiante, éternelle assistée. Tu veux parler? Attendez, je vais vous montrer maintenant les étoiles. Je vais vous montrer comment mes fans m'envoient les étoiles. Tu comprends? La partie qui vous fait mal au cœur. C'est la partie là qui vous fait mal. Elle veut que je lui sois redevable, cette chienne, pour que ses abonnés viennent pleurer après ici. Que la veuve a fait ça pour toi. Elle a fait ci pour toi. Tu dois aussi faire ci ou ça pour elle. Il boit les langues. Vous allez me sentir sur la toile-ci. Vous allez me sentir sur la toile-ci. Où sont mes vidéos? Oh, pourquoi les étoiles, le nombre d'étoiles n'apparaît pas? Oh, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça après, à la fin, sur mon téléphone. On écoute. Oui, chérie. Tu veux quoi? Tu veux la musique sur YouTube ou... C'est YouTube. Ok, sur YouTube, attends. Allons, les femmes de Mbeng me dépassent en longueur de journée direct pour insulter. Et toi, tu fais quoi sur les directs? Que les femmes de Mbeng. Mais les femmes de Mbeng mangent mieux que toi. Toi, donc, comme tu es trop arrivé, tu fais quoi sur les lives des femmes de Mbeng? Va chercher les lives des filles du pays, non? Ou bien allume ta caméra, toi-même, tu fais les lives. Tu nous montres comment toi, tu fais trop des choses utiles. Avec la face de Njansan. Avec le kucha sur la tête. Quand vous n'avez rien à dire, vous pouvez passer. Hein? Moi, quand un contenu ne m'intéresse pas, je ne peux même pas laisser ma marque dessus. Je ne peux même pas voir que j'ai regardé. Je ne veux même pas qu'on sache que j'ai même guetté les bêtises. Tu voulais aussi qu'on te voie. On t'a alors vu. Maintenant, si qu'une, que j'étais de passage. Qui t'a d'abord appelé ici? Pour les étoiles, c'est ça. Idiote. C'est pour la publicité. Connasse. Tu vas connaître comment? Il y a la monétisation au pays. Ne parlez pas nos choses. Parlez vos choses là-bas. La poule ne parle pas les choses dedans. Tu as compris? Parle vos choses. Parle de tes clients que tu es en train de réfléchir. Comment tu vas aller tacler? Parle de ton patron avec qui tu as tout mal pour avoir une promotion. Ne viens pas parler nos choses de Mbeng. Tu comprends? Même si c'est pour les étoiles. Même si on nous donne les étoiles, ça ne sort pas de tes poches. Si tu es là, ils ne pensent même pas que tu as une carte bleue. Donc ferme ta gueule. Ne parle pas des choses des gens qui ont les dents. Oyou! Ne parle pas les choses que tu ne maîtrises pas.
Et quand tu vois les choses que tu ne maîtrises pas, faut continuer ta route, ne t'arrête pas. Va sur vos choses où vous vendez les perruques, où vous achetez le Njangsang. Voilà les choses des filles du pays. Voilà. Laisse-nous clasher, nous, ici, en Beng. Nous, on n'a plus les problèmes de manger. On n'a pas les problèmes de teint. On n'a pas les problèmes de cheveux. Donc, on peut s'insulter. Toi, tu dois réfléchir à ce que tu vas manger. Où tu es, tu n'es pas sûr que demain matin, tu auras l'eau à boire. Tu n'es pas sûr que tu auras l'électricité. Donc, toi et moi, on ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Ça, c'est évident. Donc, il ne faut plus t'arrêter sur les lives des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Va chercher les gens qui ont les mêmes problèmes que toi. La douce, je m'attends. Vous avez combien? Attendez, on chine là, maman. Ça fait mal. Moi, j'ai un cœur, vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas de cœur, vous là. Vous avez que la haine. Ton gros cul, saleté. Tu ne demandes pas pardon. Moi non plus, je n'ai rien à foutre avec toi. Tu ne demandes pas pardon que tu es qui? Tu ne demandes pas pardon que on est ça. Tu vas demander pardon. On est là sur Facebook. Tu vas le faire. C'est une promesse. Merci tata Alexandra pour mes étoiles. Tu entends avec elle partie. Hey Lizo. Je t'informe que tu vas demander pardon. On est là, non? Ok. L'arbre à lien est là, est ma belle. L'arbre à lien est là. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire que c'est la publicité là qui vous cache. Souvent, la barre de la publicité là, ça vous cache l'arbre à lien. Donc, si vous cherchez les liens, il faut d'abord fermer la pub, la croix sur la pub, vous fermez et ensuite vous trouvez l'arbre à lien. Moi, je gagne quoi? Vous êtes nombreux à l'aimer quand je suis la main joyeuse. Donc, en gros, avant de la connaître, elle, vous n'étiez pas sur ma page. Nous ne faisions rien sur ma page. On n'avait pas nos activités sur ma page. C'est elle qui est venue donner un sens à nos vies sur cette page. Si je comprends bien. Oui? Ha! Nous, rien. C'est là qu'on vous voit. Mais quand même, moi, je regarde souvent quand même cette photo-là. Donc, tu regardes souvent. Elle regarde pourquoi? Quelqu'un t'a fait autant de mal que tu dis, c'est moi la mauvaise. De toute façon, je l'ai lavé là. Et c'est elle qui va venir regarder mes trucs. C'est elle qui va venir m'aider. Vous ne comprenez pas que c'est la culpabilité. C'est parce que cette femme sait. Elle sait que c'est elle. Elle sait d'abord, elle ne va pas savoir comment. Vous êtes seulement les moutons. Vous vous baladez, vous allez où on vous envoie. Bé. Vous allez partout où on vous envoie. C'est tout. Mais vous ne connaissez rien à rien. Et vous ne comprenez absolument rien à rien. Rien à rien. D'accord? Et vous voulez parler dans mes choses. C'est les remords. Tu vas venir demander pardon. Le jujube n'a même pas encore commencé à te donner le traitement. Attends, ça vient. Mais nous, mais là, Mengazou. Mazou. J'arrive. Ngenjou sort. Je te fais la publicité gratuite aussi, parce que j'ai pitié de toi. Voilà. Vous avez entendu? Je te fais la publicité gratuite parce que j'ai pitié de toi. Quand je travaillais pour elle, elle n'arrivait pas à me faire la publicité là. Maintenant qu'elle travaille pour elle, elle a pitié de moi. Hein. Ça part. Il faut avoir pitié de toi-même. Le live a eu combien de vues? C'est la moquerie. Regardez. Voilà celle qui dit qu'elle me fait la pub. Qui va vous dire demain que c'est grâce à elle? Voilà le nombre de vues sur sa vidéo. La vidéo s'y a déjà un jour. Voilà ça. Un jour, je ne vais pas mettre le nom de sa page, je ne fais pas la publicité. Voilà ça, un jour. Et la vidéo est à combien? 2000 vues. Et après, je vais entendre que c'est elle qui m'a donné les vues. Parce que c'est ce qu'elle est en train de dire. Écoutez. Hey,
Ok. Je fais quoi ici? Hey! Donc la femme là est Bamileke, la femme qui l'accueille chez elle. Hey, 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 hey. Hey, vous êtes vraiment, nous sommes vraiment ces chèvres. Ces chèvres. Donc la femme qui l'accueille là, tu es Bamileke. Et elle est chez toi assise, elle dit que Bamileke, pendant qu'elle dort chez toi. Non, de toute façon, ton tour arrive, non? Est-ce qu'on est pressé? Quand tu vas commencer à vendre la nourriture plus qu'elle là, ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Vous faites dans le même business, non? Ça va nous trouver ici. On n'est pas pressé, nous. On n'est pas nous pressé. La vidéo là est où? Comment ça fait? Ça disparaît à chaque fois. La vidéo là a disparu. Parce qu'elle est ici sur le live. On dirait qu'elle a effacé ça. Je ne sais pas pourquoi je ne la retrouve pas. Elle va arrêter de jouer ma musique. Sinon, je vais bloquer ses pages. C'est tout. Allez lui dire que j'ai dit ça. Que je ne veux plus qu'elle joue ma musique. Et là, je ne m'amuse pas. D'abord, je ne m'amuse pas avec elle depuis là. Je ne rigole pas avec elle. Je vais te faire ça dur. Oui, excusez-moi. Oui. Tu ne partageais pas quand elle fait sa musique. Combien de personnes à te voir à Facebook ont partagé ce mensonge? Ma chérie. Vous voyez où ça veut aller? Pour dire que c'est elle. Pour dire que c'est elle seule qui m'a soutenue sur Facebook. Voilà où ça s'en va. Non, la folie, c'est quelque chose. Oui, chérie. Tu veux quoi? Tu veux la musique sur YouTube ou... C'est YouTube. Ok, sur YouTube, attends. Parce que vous aimez entendre. Vous avez combien à partager? On chie là, comment? Hein? Ça fait mal. Moi, j'ai un cœur, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, vous là. Vous avez que la haine. Vous pouvez faire demander pardon au chica, je gagne quoi? Elle gagne des millions. Par moi, je gagne quoi? Ah, donc tu dois me demander pardon parce que tu gagnes quelque chose. Ce n'est pas toi qui disais tout à l'heure que tu es mieux que moi. Maintenant, tu dis que je gagne des millions par mois. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu es mieux que moi. Vous faites comment pour suivre la tare ici? Sérieux, dans la même, en moins de 5 minutes, la vidéo, si ça fait 6 minutes que je l'ai jouée. Ça fait 6 minutes de jeu. En 6 minutes, elle a réussi à dire une chose et son contraire. Elle a d'abord dit qu'elle me dépasse. En tout ici, en bain. Maintenant, elle dit qu'elle gagne quoi? Donc, elle ne doit pas me demander pardon parce qu'elle ne gagne rien. Donc, comme elle gagne l'argent, elle ne doit pas me demander pardon. Donc, pour demander pardon à quelqu'un, c'est par rapport à l'argent. Ce n'est pas par rapport à que tu as fait du mal à la personne et que tu reconnais tes torts. Non, il va te traiter, Elisabeth. Il va te traiter. Tu vas voir. Parce que vous aimez attendre. Vous avez combien à partager? On chie là, comment? Hein? Ça fait mal. Moi, j'ai un cœur, vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas de cœur. Attendez, je vais bloquer la tête de mort là. Après, on va me dire qu'il faut respecter les gens qui te dépassent. Dépasser, même étonné. Dépasser, même étonné. Attendez, trouve la tête de Nienne. Je vais te libérer, saleté. Marcel Barrette, comment une saleté. Voyez-moi la vieille blanche aussi. Quelle est la connasse. La veuve t'insulte tous les jours. Tu es tout là. Je ne sais pas ce que tu espères derrière. Elle lui ratée comme toi. Regardez la vieille chose ici. Cherchez-moi toujours. Tu viens mettre les têtes de mort sur ma page. Tu viens me mettre les têtes de mort. Une saleté comme ça. La veuve t'insulte là-bas tous les jours. Père, tu n'es pas capable de mettre les étoiles. Une pauvre lot. Tu te balades sur les pages des afros pour faire ta saleté. Attends que je finis avec toi, chienne. Je finis avec vous tous ici, là. Voilà. Et tout profil que cette connasse-là pourra créer. Maintenant, tu dégages de ma page.
Voilà, c'est fini. L'autre maintenant. Oui, oui, c'est bon. Le truc, c'est aussi, c'est quoi? Allons voir le truc, le décapage derrière de ça à distance. Regardez ça. Regarde, c'est, où sont les lunettes? Où sont tes narines entre les deux? Regarde ta face. Vilaine. Vilaine. Regardez les momies qui viennent dormir sur ma page. Des chiennes. Attends, il finit avec toi. Sapac. Je vais vous afficher comme ça, un à un. Est-ce que vous voulez, non? Tombou comme ça. Avec la face, on dirait porte les doubles. On dirait là deux, comment on appelle ça? Deux paires de Porsche sur les narines. Ja, c'est son nez. Fumbap. Poubelle. Attendez, m'occupe autre fuck up. Moi, j'aime ça le comportement. Hein. Quand on se maîtrise, vous n'aimez pas. Quand on se maîtrise, vous n'aimez pas. Je vais vous donner alors ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez chez la veuve, non? Quand elle insulte les gens, vous pleurez quand on vous donne ça ici. Poubelle. Regardez l'autre. Regardez. Que des affamés, hein? Que des blédards. Je vous ai dit qu'il n'y a que les blédards qui peuvent écouter ce que la folle la raconte. Des idiotes comme ça, là. Comment une jeune fille de ton âge peut suivre une grand-mère comme ça? Tu vas apprendre quoi chez une grand-mère qui est en bain depuis et qui n'a même pas la nationalité alors qu'elle a été mariée à un blanc? Tu vas apprendre quoi chez elle? Tu viens me combattre avec ta face remplie de beurre. Tu viens me combattre. Tu vas dégager donc. C'est ça que les grands-pères jouent avec vos clitoris là-bas au Cameroun. Ils jouent au ping-pong avec vos clitoris là-bas. Des filles qui n'ont aucune ambition. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce qu'une jeune fille va suivre chez Elisabeth? Parlons peu, parlons vrai. Tu vas apprendre quoi là-bas? Voici la dernière. Je vous ai dit non. Tout des acpassements, les bordels ping-pong booster. Il y a un enfant qui la suit. Elle espère qu'on va aussi lui donner la route. Vous espérez que Natacha va vous trouver les milliardaires, non? Les affamés. Ne partez pas à l'école, hein? Attendez qu'on vous envoie le Nkassa là-bas au pays. Voilà. Allez vous reposer de ma page. Saleté va. Allez vous reposer. Voilà, que chacun de nous respire. Poubelle comme ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous avez entendu? C'est grâce à moi que vous connaissez cette fille. Vous avez entendu? Et je dois me taire. Je dois me taire. On m'a connue grâce à elle. Et puis je suis à bientôt 50 000 abonnés. Pendant qu'elle est là à 17 000 abonnés. Donc moi, on me connaît grâce à toi. Et j'ai 3 fois ton nombre d'abonnés. 4 fois même. J'ai presque 4 fois ton nombre d'abonnés. Et tu dis qu'on m'a connu derrière toi. Les gens qui me suivent peuvent te suivre. En proportion, c'est possible. Je souffre. Je souffre. Vous avez entendu? Donc pour elle, 8000 vues là, c'est petit. T'as protégé à combien de vues, elle? T'as protégé à combien de vues? Quand tu dis que 8000 vues, 8000 vues, t'as protégé à combien de vues? Hein? Et tu connais quoi à la musique pour connaître
le nombre de vues que je suis censée avoir par rapport à mon nombre d'abonnés déjà sur YouTube. Oui, j'ai 2800 abonnés sur YouTube. Quand je vous dis d'aller vous abonner à mon YouTube, vous ne comprenez pas. 8000 vues là. J'ai eu ça en 2 semaines. Sans promotion. D'accord? Sans le soutien des médias. Et tu viens dire que ce n'est rien. Tu connais quoi à la musique? Tu connais quoi à la musique? Tu connais quoi au quota? Tu as une chaîne YouTube? Tu as une chaîne YouTube? Hein? Tu connais quoi? Tu connais quoi au fonctionnement de YouTube? Pour dire que mes 8000 vues là, c'est petit. Moi, je n'achète pas les vues. Je suis très satisfaite de mon résultat. Et ce n'est pas fini. On n'a même pas encore commencé la promo. Donc, dors tranquille. Dors tranquille. Et comme j'ai dit là, je t'interdis de jouer ma musique. Voilà ça que je t'ai dit. Je t'interdis de jouer ma musique, Elisabeth de Grémont. Je t'interdis de jouer ma musique sur la toile. Tu n'as pas l'autorisation pour jouer ma musique. Je ne te donne pas l'autorisation de jouer ma musique. Ce sont mes droits d'auteur. Je ne te permets pas d'exploiter mon travail pour faire ton contenu. Je ne te permets pas. En plus, elle joue ma musique et elle se fout de ma gueule. Merci maman Eline pour mes étoiles. La tête de Eline. Vous avez entendu? Que demain, on sera à 10 000 vues. C'était hier. Nous sommes à 8 500 vues. Nous sommes à 8 500 vues. Hier, on était à 8 300. Nous sommes à 8 500. Donc, il y a eu 200 vues depuis hier à maintenant là. Donc, ton apport, c'est zéro dedans. Ton apport dans mon truc là, c'est zéro. Zéro! Tu sais pourquoi? Pas tes fans d'abord, c'est pas des mélomanes, c'est des villageois. Tu as compris? Et que toi, Mimi, ne t'écoute pas. Depuis que tu es là, tu pleures. Où est ta cuisine? Tu es trop arrivé, tu es quelqu'un. Tu n'arrives pas, tes fans n'arrivent pas à te faire une cuisine. Maman, mon clip, c'est mon gars que tu vois là. C'est avec l'argent du litchi. C'est l'argent du litchi qui a payé mon clip. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle les fans. Va guetter mon litchi. Va regarder combien mes fans ont déjà cotisé. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est ce qui cotise en dehors de ce qui me donne encore sur PayPal. En dehors de ce qui m'envoie ici comme étoile. Tu le sais. C'est pour ça que tu m'en veux. C'est pour ça que tu me jalouses, toi et ta pembèche qui est là-bas au village dans le sud là. C'est pour ça que vous me jalousez, que vous voulez me détruire sur la toile. Et que vous voulez vous donner une belle image en me descendant moi. Parce que les gens, les vrais, me soutiennent. Et que vous n'avez que les pauvres lots qui marchent derrière vous. Vous n'avez que des gens sans cervelle. Parce que si vos gens avaient l'argent, ça veut dire qu'ils auraient été un peu cultivés. Vous voyez un peu, les deux vont ensemble. Vous ne pouvez avoir que ces gens-là que vous trompez. Il n'y a que eux qui peuvent rester derrière vous. Et les petites personnes riches qui s'ennuient de temps en temps, qui vont venir te regarder, c'est elles qui vont t'envoyer de temps en temps un peu d'étoiles là. C'est tout. C'est tout. Sinon, quelqu'un qui a toute sa tête et qui te suit assidûment, il va se désabonner. Une personne qui a toute sa tête et qui fréquente certains milieux, qui a son argent, te suit assidûment, la personne va se désabonner tôt ou tard. Parce que les choses que tu racontes sont répugnantes. Moi, je n'écoutais pas tes lives. Je ne peux pas. Sinon, je me serais débarrassée de toi depuis très longtemps. Si je suivais tous tes lives là, j'allais me débarrasser de toi il y a très longtemps.
Pendant que j'étais dans ses lives, elle se tenait à carreau. Quand j'ai vu que je n'étais plus dans ses lives, elle a recommencé à faire ces choses-là. Son tribalisme qu'elle fait là. Et je ne la suivais pas avant. Donc, je ne connaissais pas l'étendue de son mal. Quelle histoire finisse? Tu as peur? Ta plainte arrive. Aucune histoire ne va finir ici. Ta plainte arrive. Et tu viens d'augmenter les charges. Maintenant, je vais rajouter le harcèlement dedans. De toute façon, j'avais déjà dit ici. Et tous tes fans qui vont venir ici s'acharner sur moi, vous serez ajoutés dans la liste. Parce que maintenant, c'est harcèlement en bande organisée. Donc, elle, la pute qui est là-bas de l'autre côté, oui. Oui. Et puis d'autres personnes que j'avais déjà relevées. Donc, tous ceux qui sont candidats là, comme vous les aimez trop, n'est-ce pas? Venez pointer et vous ajoute seulement dans la liste. Vous les aimez trop, non? Par le désordre est collectif, hein. Mais quand il faut aller rendre compte là-bas, on ne vous voit plus, hein. Oui, vous êtes aux abonnés absents. Quand il faut aller rendre compte. Donc, comme je vous dis là, si vous les aimez trop, venez d'abord pointer. Comme ça, vous allez partir là-bas vous défendre ensemble. Oh, Chiga, la veuve t'aime bien. Moi aussi. J'ai de vrais papas, je me suis abonné. Big up, et tu chantes très bien. Ma soeur, tu es dans l'indemnité, c'est pas ce que tu fais avec la tribaliste là, mais ça va venir nous trouver ici. Franchement, j'aime bien ta voix. Tu as choisi le tout, soit fais la gueule de votre son ou ta musique. Non, c'est pas le moment. Vous entendez? Tu vas choisir soit la guerre des réseaux sociaux, soit ta musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, la femme, ce n'est pas normal. Je vois la magie. Il ne sait même pas. J'ai Dieu qui m'a envoyé là-bas. Hé! Hey! Hé! Hey! Tu es comme une puce, une punaise, un tic. Une tic plutôt. Ça dit pour décoller la tic là, il faut faire très attention. Sinon, tout ça glisse dans ta peau. Pour t'enlever là, pour te décoller de moi, Seigneur. On fait comment? Peut-être je vais seulement m'immoler. Il va me brûler. Pour finir avec toi. Merde. Ça, c'est du pur harcèlement. Pur et dur. Déjà, il vient se moquer de mon travail. Et en gros, elle dit que sans elle, je ne peux rien. Vous ne voyez pas la perversion narcissique de cette femme? Et voilà celle que vous peignez toujours ici en victime sur la toile. Oh la pauvre, tout le monde veut lui faire du mal, tout le monde la ceci, tout le monde la cela. Voilà votre victime de la toile. Voilà celle que vous faites passer pour une victime sur cette toile. Hey, chez nous. Mais bien vous. Moi je crois que c'est l'histoire avec Natacha qui a. Natacha a fait quoi dedans? Non, en fait, non. Et alors, j'étais malade, je ne connais pas quoi. Très malade. J'ai eu la maladie. Vous voyez comment elle parle à la femme là? C'est comme ça qu'elle a alors. Écoutez, la dame lui dit que oui, peut-être que c'est par rapport à Natacha. Elle dit que oui, et puis quoi, et puis machin. Hé, je ne veux plus de toi, fous le camp. Attendez. Ça là, c'est toi, Elizo. Voilà ce que je fais de toi. Tu as compris, maman? Je ne te veux pas. Je ne veux pas de toi. Ni de près, ni de loin. Je ne veux rien de toi. Ni ta publicité, ni rien de toi. Donc, tu peux arrêter. Ma soeur qui avait elle là. Qui derrière elle? Sinon, hein? Tu vas lire. Elle a dormi chez toi, non? Tu l'as emmenée à l'hôtel, elle t'a dit que non, elle veut être avec toi. C'était pour entrer voir ta maison. Maintenant, tout ce qu'elle va dire sur ta maison, les gens vont croire maintenant parce qu'elle est entrée chez toi. C'est comme ça que ça se passe sur la toile. Elle va te tenir, même avec ce qui n'existe pas. Puisque moi, elle me l'a fait. Elle m'a dit quoi? Fais attention à ta réputation. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Maintenant, elle est dans son travail, de perverse narcissique.
C'est-à-dire, là, le harcèlement, le chantage. Elle est pleinement dans son travail. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Et vous, vous êtes là, des naïfs. Vous croyez que c'est une folle que vous voyez comme ça. Elle vient s'asseoir et dit que oui, que je fume le banga et suis montée. Quelqu'un se drogue comme toi, chienne. Toi qu'on a vu s'enfiler la cocaïne dans les narines, tu vas me parler, toi aussi. Toi aussi, tu vas me parler avec ta cirrhose du foie que tu transportes avec toi comme le belet là. Avec ta cirrhose que tu portes, que tu caresses là. Que tu as peur d'aller soigner. Une maladie, un tonneau de maladies ambulantes comme toi. Tu vas me parler de drogue. Un tonneau ambulant de maladies. Regarde tes yeux. Regarde-toi. Regarde tes yeux. Regarde-toi. Un cadavre ambulant. Toi aussi, tu vas me parler. À moi, fille de docteur. Toi aussi, tu vas me parler. Eh, Facebook nous mélange. Facebook. Qui m'avait envoyé? Voilà où la bonté nous emmène. Voilà où la pitié nous emmène. Ne faites jamais quelque chose pour quelqu'un par pitié. Faites-le parce que la personne mérite. Sinon, vous allez regretter. Parce que les pauvres sont ingrats. Les pauvres sont ingrats. Écoutez, la fille à côté, dont je ne connais pas le nom, lui dit que oui, peut-être qu'Oshiga n'a pas apprécié que tu soutiennes l'autre, la pute qui est là-bas dans les villages du sud. Là. Écoutez comment elle lui répond. Mais miaveux! Hein? Moi, je crois que c'est l'histoire avec Natacha qui a... Natacha a fait quoi dedans? Non, et alors, j'étais malade, je ne connaissais pas quoi. Très malade. J'ai eu la maladie, si tout le monde a croyé que j'étais pour le... Vous voyez comment elle parle mal à celle-là. Et alors, tu voulais qu'elle fasse quoi? Ça, c'est la vraie veuve. C'est comme ça qu'elle nous parle dans les coulisses. Voilà comment elle traite les gens dans les coulisses. Voilà, toujours en train de menacer de Sissia. Toujours en train de faire la force. Regardez comment elle parle à la fille là. Et la fille s'écrase. La fille s'écrase. Si c'est pas ma, c'est pas ma main que je t'envoie sur ta face de rat. Tu es assis dans sa voiture. Où tu es là, tu n'as même pas le permis. Chienne. Elle te berge, elle te nourrit, elle te conduit et tu lui parles comme un chien. Parce que vous les filles bamileko aussi, l'hypocrisie veut vous tuer. Vous êtes tout comme ça. Hein? Oui, non, je laisse. Parce que tu cherches ton intérêt derrière elle. Tu penses que tu vas avoir les vues derrière la veuve. Ma soeur, tu n'auras rien derrière elle parce qu'elle ne me mène à rien où elle est là. Elle me menait plus crédible. Les vrais gens qui la suivaient ne la suivent plus. Moi-même, je peux te citer au moins trois des lourdes par personne qui la suivaient, qui sont quittées derrière elle et qui sont avec moi. Tu comprends, Eliso? Oui, il y a des gens qui étaient avec toi, qui sont quittés derrière toi parce que grâce à mon problème-là, ils ont vu ton vrai visage. Ils sont ici au chaud avec moi. Au chaud! D'autres t'ont tout simplement quitté parce que fatigués et parce qu'ils ont réalisé ce qu'ils ne voyaient pas. Vous savez, hein, quand tu ne regardes pas tous les lives, tu ne peux pas connaître qui est quelqu'un. Tu regardes, et beaucoup d'entre vous font ça. Vous regardez quelques lives et vous vous arrêtez là-dessus pour dire que non, elle est trop bien, elle est trop si. Allez d'abord, prenez la peine d'écouter ce que les gens reprochent. Ouvrez votre esprit. Faites comme si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, je dis ça pour votre bien, pour votre santé cérébrale, parce que c'est grave. Vos neurones sont atteintes. On dit une neurone, oui. Vos neurones sont atteintes. Parce qu'on vous a tellement abruti que vous ne savez plus les user, les utiliser. Quelqu'un vous ment en mondo vision. Tous les éléments du mensonge sont là. Mais vous êtes incapable de discerner le vrai du faux. Parce que votre cerveau, tellement habitué à écouter la bouillabaisse, à écouter la merde que ça a fucked up vos neurones. Vous pensez que ce que je raconte, c'est du bluff? Laissez-moi vous dire que ce que vous écoutez là, ça formate votre cerveau. Ce que tu acceptes comme logique, ton cerveau s'adapte parce que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. On le paramètre comme on veut. Nous avons le pouvoir de paramétrer notre cerveau tel que nous voulons. Et quand vous vous nourrissez de ça à longueur de journée, vous pensez que c'est quoi qui va pousser dans votre cerveau? De la merde. De la merde. Écoutez comment elle parle à la femme là. Qui l'héberge? La femme t'accueille chez elle. Elle t'héberge. Regarde comment tu lui parles. Voilà comment on me parlait.
comment elle voulait me parler. Jusqu'au jour où j'ai pété un câble sur elle. J'ai dit que c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Tu es malade. Tu crois que tu es folle? Je vous avais fait écouter l'audio là ici. Depuis le jour là, elle ne s'est plus jamais perdue avec moi. Elle a cru qu'elle allait me tenir en venant faire sa maman là sur la toile. Elle ne savait pas que je suis plus folle qu'elle. Il t'avait prévenu, renseigne-toi sur les Bafang. Vous pensez que vous êtes fou? Vous l'êtes quoi? Vous n'êtes pas fou. Venez à Bafang. Vous allez voir ce qu'on appelle folie. J'ai de vrai papa, je me suis abonnée. Big up, et tu chantes très bien. Hein? Franchement, j'aime bien ta voix. Tu as choisi le tour, soit la gueule de votre ou ta musique. Ça fait un moment. Mais bien, vous. Vous avez entendu, l'autre là a dit que ça fait un moment, elle ne parle plus. Moi, j'entends, hein, celle qui est à côté d'elle dit que non, non, ça fait un moment, elle ne parle plus. Donc, ça fait un moment, Oshiga ne parle plus. Elle vient dire que oui, tu vas choisir entre la guerre et ta musique. La fille à côté dit que ça fait un moment, elle ne parle plus. Celle-là fait comme si elle n'a pas entendu. Elle continue parce que le but, c'est de me salir. Et de se faire passer, elle, pour quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime la paix. Parce que les Camerounais aiment ça, cette hypocrisie-là. Et alors? Tu as la cirrhose. Ton sale ventre là, c'est la cirrhose. C'est même pas les fibromes. On est des tas de femmes ici dehors à avoir les fibromes. Toi, tu es la seule qui, à qui ça donne la grossesse. Tu es la seule femme dont les fibromes poussent, dont les fibromes sont vivantes dans le ventre. La seule femme qui porte une grossesse fibronique. Vous faites ça comment? J'étais malade, il y avait le Covid. Dommage que tu n'aies pas crevé. C'est dommage. Ça aurait fait des vacances à beaucoup de personnes sur la toile. Ça aurait libéré beaucoup de personnes. Beaucoup d'âmes en peine sur la toile. Ça aurait libéré les lolos frelatés. Toi seul sais avec quoi tu les tiens. Ça les aurait libérés. Elle dit que oui, Natacha, quoi? Que non, puis quoi? Mouf! C'est moi qui ai quitté ta page. Je ne suis pas ton ami. Je ne l'ai jamais été. Mouf! Tu parles, les gens peuvent croire qu'il y avait une relation amicale ou fraternelle. Je suis personne pour toi. Tu ne me manques pas. Je ne pense pas à toi. Je ne regarde même pas tes lives. C'est toi qui viens regarder ma part. Je ne suis pas au courant de toi. Tu es une quantité zéro négligeable. Tu ne vaux rien. Tu es une ratée. Tu ne peux rien m'apporter dans la France ici, ni au Cameroun. Rien. Si j'ai fait 6 mois avec toi, tu n'as pas été capable d'emmener ma musique quelque part. C'est maintenant où je t'ai abandonné que tu vas faire quoi? C'est maintenant où je t'ai abandonné que tu vas faire quoi? J'ai travaillé pour toi 6 mois. Oh, il va envoyer ta musique à Equinox. Vous avez vu ma musique à Equinox? Vous avez vu ma musique à Equinox? Oh, je vais te présenter Madame Moudiki. Elle s'occupe bien des artistes. Je lui dis que non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Bonne chose que tu vas aller manger l'argent. Après, on va te contrôler. Tu ne pourras plus dire ce que tu veux quand tu es en live. Tu ne pourras plus parler avec telle parce que telle. Tu ne pourras plus... J'ai dit que non, maman. Pardon. Si c'est les bobos, tout ça là. Moi, je suis née à Yaoundé. Je connais tous les bobos là. Je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école avec leurs enfants. D'accord? Ou du moins leurs petits frères, ceux qui sont au-dessus aujourd'hui. Donc, si je veux aller racoler... Pour avoir les miettes là. Yaoundé, c'est ma ville. Je suis née là-bas. Je suis autochtone. Je n'ai pas besoin de toi. C'est toi qui es une villageoise de Saint-Mélima. Moi, je suis autochtone de Yaoundé. Je suis née à Yaoundé premier. Pas vos villages là-bas. Yaoundé premier. Je suis autochtone. Donc, tu ne peux pas me présenter quelqu'un à Yaoundé. C'est moi qui peux te présenter les loups à Yaoundé. Tu as compris, Pembèche, les loups du Cameroun et les loups étrangers, c'est-à-dire les diplomates. Moi, je peux te les présenter. Toi, tu ne peux pas. D'accord? J'ai dit non. Même si elle savait que ça n'allait aller nulle part. J'ai dit non pour qu'elle sache que ça ne m'intéresse même pas. Oh, allons voir Amot. Oh, il va te choco. Il va nous choco. Il va ceci. Il n'y a pas où avec ça.
Tu penses que c'est sur les réseaux sociaux que je connais ce couple-là? Les gens qu'on voit dans le 17e comme du n'importe quoi, quand on veut, comme on veut, c'est eux que moi, il va aller racoler aujourd'hui. Si on ne le faisait pas avant, quand je n'étais pas star, c'est aujourd'hui que moi-même, je suis une personnalité publique qui va aller racoler les Féman. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà leur vie. Voilà comment vous vivez. Il a plaqué combien de fois? Amot l'a plaqué au moins, je ne sais pas combien de fois. Plaquer les bêtises. Parce que oui, il voulait l'emmener dans quel restaurant là où elle ne voulait pas aller dans le restaurant là où parce qu'elle ne parle plus avec la femme là où c'est que leurs histoires, leurs vieilles histoires que moi je ne connais pas et qui ne m'intéressent pas. Mais elle voulait aller parce qu'il faut racoler 5 francs. Il faut racketter 5 francs. Moi, il va aller m'asseoir là-bas. Qui va causer quoi avec ce monsieur? De quoi? Tu peux me dire? Il ressemble à quelqu'un qui chante les noms des gens. Depuis que tu écoutes ma musique, tu as entendu le nom de quelqu'un? Deux personnes. Le père a ici pour lui dire merci parce qu'il m'a soutenu au début de ma carrière. Et mon ancien manager, Honoré Z, mon ancien manager, homme des médias au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup fait pour moi et qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui, malgré que ce n'est même plus mon manager. Tu as compris? Voilà pourquoi il y a leur nom. Ils ne m'ont pas donné 5 francs. À part les deux là, tu as entendu le nom de quelqu'un dans ma musique? Pour m'emmener que oh, il va te tchoko, il va te ceci. Elle voulait m'emmener dans leur sale vie là. Tu me voyais vraiment avec toi dans ça? Quand vous voyez comment elle colle derrière moi là, vous ne confirmez pas quand je vous dis qu'elle voulait m'emmener faire la prostitution avec sa protégée du Sud? Vous doutez? Vous pouvez expliquer comment quelqu'un peut s'accrocher à moi comme ça? Après que je l'ai insulté toute sa famille, comme elle dit. Pourquoi elle s'accroche? Elle s'accroche pourquoi? Elle s'accroche pourquoi? Elle peut jouer ma musique et fermer sa gueule si c'est seulement pour l'art. Elle pouvait publier mon lien sur son mur. Elle a publié le lien de ma musique sur son mur. Non. Vous devez donc comprendre. Elle a publié le lien de mon clip? Non. Mais elle va venir vous dire que mes vues là, que c'est elle. Demain, je vais entendre que c'est elle qui a donné mes vues. Elle voulait me vendre. Elle voulait utiliser mon aura. C'est ce qu'elle essaye de continuer de faire. Tu crois que je ne sais pas qui je suis, Elisabeth? Tu crois que je ne sais pas qui je suis? Tu crois que tu es la première qui essaye de me vampiriser? Va dire à ton marabout qu'il ne peut pas. Va lui dire qu'il ne peut pas. Tu comprends, Elisabeth? Va lui dire que vous n'êtes pas née. Toi, tu vas chez le marabout. Moi, je suis le marabout. Et je suis celui qui t'a dit même que n'essaye pas. Je suis celui qui t'a dit que ne tente pas. Que ce n'est pas son niveau. C'est pour ça que maintenant tu veux coller pour gratter un peu ta part de lumière. Vous avez déjà vu une star en bracata qui s'accroche comme ça. C'est une artiste qui n'est rien. Je ne suis rien. C'est toi qui m'as fabriqué. Mais pourquoi tu t'accroches à moi? Pourquoi tu me colles au cul? Normalement, je t'ai offensé, mais laisse-moi m'en aller. Laisse-moi tranquille. C'est moi qui quitte ta page. Et tu quittes, tu viens dire aux gens que j'ai essayé de voler ta page. Tout ça, là, je dois supporter. Je dois accepter à cause d'elle. Voilà Amazon qui est partie avec mon argent. Aujourd'hui, tout le monde me traite de voleuse de page. Parce qu'elle avait dit à Amazon de venir m'abuser. Elle avait dit à Amazon qu'Amazon a quand même donné un petit 100 euros. Même les 100 euros, là, Amazon ne m'a pas donné. Elle n'a pas voulu me donner. Dis à Amazon que je suis une droguée, que je suis une ceci. Comment Amazon pouvait savoir ça? Que moi, elle fume. Elle ne me connaissait pas. Comment elle pouvait savoir ça? J'ai pris sur moi, j'ai fermé ma bouche, je suis restée tranquille, j'ai chop masse. On avance, c'est sa pembèche avec les airbags, Miss Evea. Les airbags partout. La graisse liposucée partout. Qui est sortie a aussi dit que je la raquette. Jusque là, je n'ai pas voulu croire. Je suis partie dans son eBay. Je lui ai écrit. J'ai dit que voilà l'autre dans notre clash là-bas qui t'a mêlé, qui dit derrière que tu as dit que je te raquette. Elle n'est pas transformée. Ça devient que je suis partie pleurer. Pourtant, Dieu m'est témoin. Chaque fois que j'ai dosé sur la pute de langage, celle-ci m'a appelé. Chaque fois que j'ai taclé Natacha, celle-ci m'appelle parce que Natacha l'appelle là-bas pour aller pleurer.
Elle m'appelle et elle me parle calmement. Parce que ce qu'elle ne peut pas me gueuler, c'est que la mère dont elle parle, celle-ci, qui est mon aînée, elle ne peut jamais me parler comme ça là. Tu viens de dire que j'ai un maître choix. Toi, tu avais les talons. Tu avais les talons. J'étais en basket le jour où on s'est vu. Et je regardais dans le creux de ta tête. Elisabeth, tu m'as donné rendez-vous aussi que tu vas me taper, non? Vous oubliez vite, hein? Moi, je n'oublie pas, hein? Je t'attends le jour. Moi-même, j'ai hâte de te croiser dans un couloir. C'est ce qu'il va te faire le jour-là. Hey! Merde! Pas ici, sucre. Si tu attrapes, je te mange cru. Je te tape aller et retour. C'est même pas un débat. Quand tu vois quelqu'un mince comme ça, il faut lui demander si c'est naissance ou c'est maladie. Wow. Tu vois un peu? Toi, tu es malade. Tu n'as même pas le souffle. Tu respires comme un facochet. Tellement la cocaïne a déjà bouché les sinus ici. Même sa sœur Natacha là-bas, les cocaïno-woman. La cocaïne. Vous dormez dedans, vous vous réveillez dedans. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à finir une phrase. Vous ne voyez pas qu'elle s'exprime de la même façon? Observez. Observez, vous allez voir comment elle s'exprime. Aucune des deux ne termine ses phrases. C'est la cocaïne. C'est la coke. Parce que ça rend speed. Donc, tu n'as pas encore fini une phrase, tu es là sur une autre idée. Donc, la bouche obéit pas. Et le cerveau, quand elles prennent leurs choses là, le cerveau et la bouche ne sont plus en équilibre. Donc, ce que tu penses, ça sort avant que tu n'aies le temps de finir. Je ne sais pas si vous voyez. Observez bien. Vous allez voir qu'elles ne terminent pas leurs phrases. Et c'est ça, c'est souvent quand elles ont beaucoup tapé. Quand je regarde vos vidéos, je suis capable de dire que là, tu as tapé et là, tu es lucide. Je peux le dire. Et si vous commencez à observer, vous allez voir. C'est pour ça qu'elle s'est mise en colère l'autre jour. Que si je ne me tais pas et qu'elle est venue insulter tous les Baminekés. Que si je ne me tais pas, elle va me faire quoi? Tu as fini avec les menaces? Paplenga, falonga, fosnga. Tu as fini avec les menaces? Tu as dit que si je prononce encore ton nom, j'ai prononcé. Tu n'as rien fait. J'ai prononcé et tu n'as rien fait. Maintenant, tu sors, tu dis que je joue ta musique par pitié. Toi, tu peux avoir pitié de quelqu'un. La sœur jumelle de la pitié même. Là, tu peux avoir pitié de quelqu'un. Il est malade. Parce qu'en Facebook, personne n'est malade. Hein? Allez encourager Oshiga. C'est votre soeur, vous avez un soeur Baminekés. Allez encourager alors. Vous, non, laisse-moi. En tant que Baminekés, encouragez alors. Regardez comment on menace celle-là. Moi, je la sirop de voix. On m'a insulté partout. Écoutez, il y a une Baminekés à côté d'elle. Hein? Regardez comment elle la menace. Vous voyez, dans l'autre, lui a fait signe sûrement que, gars, sûrement que ne va pas sur le couloir là. Elle dit que laisse-moi. Et elle la regarde, elle la toise. Regardez la femme avec qui vous voulez que moi je me mélange. Regardez comment elle s'adresse à quelqu'un qui l'a invité, qui l'a hébergé dans un hôtel, qui l'a encore hébergé chez elle et qui est en train de la conduire en voiture. Regardez comment elle s'adresse à cette personne. On dit que non, je la sirop de foie, on m'a insulté partout. Pourtant, elle était malade. Parce qu'en Facebook, personne n'est malade. Hein? Allez encourager Oshiga. C'est votre soeur, vous avez un soeur Baminekés. Allez encourager alors. Vous, non, laisse-moi. En tant que Baminekés, encourage alors. J'ai regardé, non, mais ça, non, ça, je suis parti m'abonner. Voilà, abonnez-vous chez elle. Allez à YouTube, elle s'appelle Oshiga, c'est mon gars. Vous voyez le mépris? Allez à YouTube. Moi, j'attends le camionnette parce que Oshiga aussi doit monter aussi au podium comme les mimi, comme les autres. Voilà, elle est une guerrière. Vous l'encouragez dans la bêtise des réseaux sociaux. Tous les gens qui peuvent les déranger, qui peuvent les tendre de la main. Moi, je peux tendre la main Oshiga comme ça. Je suis pauvre, comme vous dites, je suis misérable. Je peux tendre la main Oshiga comme Oshiga, je te présente les gens. Si moi avec toi, les seules relations que tu m'as amenées, c'est une qui est venue m'escroquer, qui m'a fait travailler sans payer. C'est une autre que tu as pesté là à Mougou, qui est venue, j'ai donné mon prix. Elle est rentrée en brousse. Et revenir m'appeler un jour quand je suis en live, me faire la morale dans mon live. C'est Porsche Cayenne.
Je dis que je ne connais pas Porsche Cayenne. Oh, tu veux jouer à ça? Tu veux ceci? Vous vous rappelez mes scarabées? Elle m'a lavé ici dans mon live parce que je ne la reconnaissais pas. Je dis, mais moi, je ne connais pas Porsche Cayenne. Quand tu m'avais appelé, tu t'es présenté en tant que Stella Amougou. Et ni Stella Amougou, ni Porsche Cayenne, je ne connaissais. Elle a pété un câble ici dans mon live parce que pour elle, elle est star. Elle doit la connaître. Je vous ai dit qu'on ne fréquente pas les mêmes milieux. Vous, vous allez dans les 17e. Nous, on part dans les boîtes de nuit sur les champs dans le 16e. Nous, on va à l'Arc de Paris. On va au Cœur Samba. On va là-bas dans le 16e. Comment on appelle encore là-bas? Ouais, les boîtes où on partait quand on était jeunes. Je ne suis pas votre camarade. Vous avez compris? Voilà les gens qu'elle m'a envoyés qui ne m'ont créé que des soucis. Qui ne sont venus que me chauffer les nerfs, me prendre mon énergie. Celle-là vient dans mon live, elle me fait une crise parce que je ne la reconnais pas. Seigneur, ma part est venue. Donc pour elle, je dois forcément la connaître. Vous pensez que tout le monde dormait sur la toile pour regarder vos saletés que vous faisiez ici? Nous, on avait des vies remplies. Moi, j'avais un travail, moi. J'allais au travail, métro, boulot, dodo. Je ne m'occupais pas des saletés que vous faisiez sur la toile. Ça ne m'intéressait pas. Pas du tout. Tu t'es présenté comme Stella Amougou. Maintenant, tu m'appelles dans mon live. Tu dis que Porsche Cayenne. Je sais que Porsche Cayenne, c'est qui? Elle s'est énervée que non, je sais forcément, je fais genre. J'ai dit, ok, maman, pardon, excusez. Elle est partie. Un autre jour, je suis ici en live. Elle vient encore écrire dans mon live. Oh, il faut que je te contacte. Il faut qu'on se capte pour la monétisation. Elle dit que, mais maman, ça fait des mois. Tu étais venu, tu m'as appelé, je t'ai dit le prix, tu es rentré en brousse, non? Quelqu'un t'a monétisé, non? Pourquoi tu ne vois pas la personne là pour continuer? Non, c'est moi-même qui ai fait la monétisation, mais il y a encore ceci, je veux que tu vois. J'ai dit, ok, appelle-moi alors, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, et j'ai compris que tout ça, c'est pour venir se faire voir dans mes lives, en fait. Voilà les seules relations que tu m'as amenées. Des tonneaux vides. Amazon là-bas, qui ne peut pas payer. Tu dis que paye, elle envoie son pied pourri. Elle m'envoie la photo de son pied pourri pour pleurer, pour justifier. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Vous venez abuser votre petite soeur qui se débrouille en bain. Sans mari, avec deux enfants. Vous dites que je n'ai rien. Mais chacune de vous voulait venir boire sur moi. Vous avez vu l'anglaphisme sur qui vous allez venir manger. Et je vous ai montré qui a mis de l'eau dans le coco. Hey, Amazon a tout dit. Oh, je vais t'emmener chez les marabouts. Elle avait dit ça en live, non? Elle vous avait dit ça en live. Qu'elle va m'emmener chez les marabouts et que tout ce qu'elle va faire, elle va prendre. Parce qu'elle a raison. Mais voici ici, j'attends. Depuis là, tu n'as pas trouvé le marabout ou bien tu n'as pas encore l'argent pour le payer. Voilà la partie qui m'a dépassée. Vous n'avez pas l'argent pour vous occuper de vous, de vos carrières. Pour monétiser une page qui va te donner l'argent. Tu ne veux pas donner l'argent. Mais tu as l'argent pour aller donner au marabout. Tu as l'argent pour aller donner au marabout. Pour faire du mal à Oshiga. Pour aller demander le nom de Maman Katino. Venir avec les audios dans mon téléphone. Oh, Maman Katino a voulu me tuer. Oh, Maman Katino est montée. Oh, Maman Katino est descendue. J'ai fait vu et ignoré. Un truc qui n'a aucun rapport avec notre business. Tu viens me parler de Maman Katino qu'elle fasse quoi? Moi, je ne te connais pas. Moi, je suis fan de Maman Katino. Depuis mon adolescence, malgré qu'elle chante les sangs, qu'elle sont les conneries que je n'aime pas, elle fait de la vraie musique, de la musique live. Et c'est ça que moi j'aime. En tant que danseuse, quand j'écoute la musique de Katino, je suis obligée de me lever pour danser. C'est la musique, les instruments qui me parlent. Chaque artiste a son identité. Katino a son identité. Quand elle met ses artistes, ses musiciens, son orchestre là, je suis là et parlant. Je n'écoute plus ce qu'elle raconte. C'est la musique. Ce sont les instruments qui m'obligent à bouger mon corps. Et toi, tu viens m'envoyer les audios. Me dis, une femme donc, le seul succès se résume à une chanson enregistrée au cabaret. Et vous me dites qu'il faudra parler aux gens qui te dépassent. Elle me dépasse en quoi? Toute là me dépasse en quoi? Celle que vient de vous citer là. En quoi? Celle qui fait le waka là-bas à Monaco me dépasse en quoi? Même dans le waka, tu prends le bas de gamme. Même dans le waka, tes clients sont bas de gamme, comme toi-même. Une fille bas de gamme, parce qu'un homme instruit ne va pas supporter tes cacos, ta cacophonie là. Cre, 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 au cruit, mon cre. Non, aucun homme instruit
ne va supporter ça dans ses oreilles. Ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles. D'accord? Quelqu'un qui te dépasse. En quoi? Celle-là me dépasse en quoi? Celle-ci me dépasse en quoi? Amazon me dépasse avec quoi? Son seul succès, encore une fois, se résume à une chanson enregistrée pendant les Mendjang. Même pas une chanson enregistrée en studio. Amazon a une chanson à elle. Elle a une chanson à elle. Les reprises qu'elle fait. Quand vous ne connaissez pas, fermez vos bouches. Vous ne connaissez rien vous-même à votre culture. Rien! Et puis l'autre, c'était là. Ko, Porsche, Cayenne. Toi, tu me dépasses en quoi aussi? En quoi? Une qui cautionne le tribalisme. Qui part défendre ce que Tata Aline est partie raconter là-bas à Voice Africa. Tu défends ce qu'elle a dit. Alors qu'il paraît que tu es Bamileke, shame on you. Shame on you. Mais bon, ça c'est ton problème, il m'en fout même. Tu peux même régner les Bamileke, c'est tant mieux parce que nous-mêmes on ne veut pas les qualités comme toi là chez nous. On ne veut pas. Régner même moi, ça m'arrange. Ça reste Stella Amougou pour moi. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Ça veut dire qu'elle a régné sa part Bamileke. Voilà, on n'est pas Bamileke seulement par le sang. On est Bamileke par la culture. On est Bamileke parce qu'on aime être, on aime qui on est. Alors vous n'allez pas la forcer. Nous-mêmes, on ne veut pas d'elle chez nous, les Bamileke. Donc restez avec ça là-bas. Restez avec ça là-bas. N'importe quoi. Vous me dépassez avec quoi? Pour que les gens viennent me dire que tu n'es pas aux gens qui te dépassent. Vos dépassements là, vous réglez. Vous mesurez ça où? À quel niveau? Vous mesurez les dépassements là comment? Maman, tagué Bibian. Tagué Karine Bibian. Voilà ton nom ici, là, ma grande sœur. Maman, la femme, si elle est possessive, elle a jalousie. En fait, toi, tu es vraiment l'exemple typique du pervers narcissique. Vraiment, tout le pervers narcissique dans sa splendeur. C'est-à-dire un pervers narcissique, sa victime ne doit jamais le laisser. On ne le quitte pas. Soit il gâte tout, soit tu dois rester avec lui. Donc, toutes les personnes qui m'apprécient maintenant, qui sont avec moi là, elle va me mettre en guerre avec elle. Viens écouter ton nom ici, oh, Karine Bibian. On t'a prononcé, donc tu peux sortir. Ouais, maman, tu souffres, hein? La honte de quoi? Je dois avoir honte de quoi? De mes 8000 vues? Je dois avoir honte de quoi en fait? La seule chose dont j'ai honte, c'est de m'être associée à toi un jour. J'ai honte de m'être chamaillée avec les miens, mes frères Bamileke, pour ta sale face de rat, ta sale face de cadavre ambulant. C'est la seule chose qui me fait honte sur la toile-ci. C'est toi. J'ai honte qu'on puisse m'assimiler à toi. C'est pour ça que j'ai arrêté de te calculer. Et comme tu as vu ça, tu as fond sur moi. Tu ne veux pas me laisser tranquille. Donc, je te permets de parler de moi autant que tu veux. Par contre, je t'interdis de jouer ma musique. Il ne fait que dire ça et je ne rigole pas. Je t'interdis de jouer ma musique. Je t'interdis. C'est encore ma musique. C'est encore moi qui ai les droits dessus. Et si tu veux t'entêter, tu vas voir comment je vais fermer chacune de tes pages. Joue encore ma musique si tu es femme. Joue encore ma musique si tu es femme. Je suis comme un homme, je suis comme un homme. Moi, je suis comme un homme.
Voilà donc comment elle tient Lolo Frélaté. Voilà comment elle tient Lolo Frélaté. Le fouet et la carotte. On te fouette ici, ensuite on te tend une carotte. Et elle reste tout là. Et tu pensais que tu vas faire ça à tous les Bamileke. Voilà une autre victime que tu es en train de préparer là-bas. Une autre fille Bamileke que tu es en train d'aller exploiter. Qui t'a nourri. Tu t'as déjà entré dans sa maison. Pourtant, elle t'avait laissé à l'hôtel. Là. Erreur Fumbutu Kuna Dame Fondos. Ma soeur! Onri Akwe Tanjo. Onri Akwe Mbeno. Tu vas lire. Tu as laissé la sapac là entrer dans ta maison, non? Tu vas lire. Mais elle fait la promotion de ta musique, non, ma? Pardon, excuse-moi. Hein. Tu n'étais pas là au début. Je ne vais pas me répéter. Je ne veux pas qu'elle fasse la promotion de ma musique, donc. Je ne veux pas. Parce que me répéter là, ce serait trop long. Tu vois un peu? Je suis bientôt à 3 heures de live. Je pense que c'est bon là. Je suis fatiguée. Si vous n'écoutez pas ou si vous n'avez pas le discernement, je ne peux rien pour vous. Mais elle fait la promo de ta musique. Non, je ne veux pas. Je refuse. C'est encore mon droit, non? Vous permettez? Ou bien c'est forcé? Vous permettez? Moi, je vois très tôt le matin. C'est incroyable. Attends. Faites monter le mercure, partagez la vidéo s'il vous plaît. Chercher la sympathie et la compassion des gens toute une vie. Voilà la promo. Tu as un cœur, toi? Hey, Seigneur, ton cœur est resté prisonnier de la Colombie. Ton cœur est en Colombie. Tu as un cœur, toi? Que oh, ma soeur, je ne suis pas ta soeur. Ne m'appelle plus comme ça. Moi, je ne te connais pas. Je ne suis pas ta soeur. On a collaboré et tu m'as abusé. Tu m'as abusé psychologiquement et professionnellement. Moi j'ai un bon cœur. Tu as un bon cœur, c'est pour ça que tu partages les photos, les nudes de Lolo Fodja partout. C'est ça qui te fait peur. C'est ça qui te fait peur. Mais tu as raison d'avoir peur. Parce que mais nous mêlons. Mais nous mêlons. Continue de me donner les éléments. Non. Son cœur n'est pas en Jamaïque. Pardon, il ne faut pas polluer la Jamaïque. La Jamaïque, c'est le bio, c'est naturel. Son cœur est en Colombie. Voilà. Dans les champs de cocaïne. Moi, je n'ai pas besoin de tes encouragements. On y retourne. On y retourne. Elle est avec une Bamileke à côté d'elle. Une autre victime. Vous les Bamileke là. Donc, ma musique, c'est seulement pour les Bamileke. Vous savez ma copine Célestine. Dis bonjour. Bonjour. Célestine. Moi j'adore les enfants. Pauvre Cameroun. Oh. Okay. Pauvre Cameroun.
Voilà les gens que vous suivez. Voilà vos blogueurs comme ça. C'est normal que votre pays ressemble à la poubelle. C'est normal que vos enfants boivent dans les bars. Quand les mamans dorment devant la page d'une ivrogne à longueur de journée, qui raconte, qui passe sa journée à boire, boire. C'est ce que MMS ouvre leur bouteille là-bas aussi, elles boivent. Si vous niez. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette femme qui sont devenus alcooliques derrière elle. Je ne vous demande pas, c'est une information. Elle aussi, elle vient parler. Maman, voilà une adulte qui se fait malmener devant nous. Voilà ce qu'elles aiment. Cogner les têtes entre les bamilékés. Elle, elle adore ça. Elle adore ça. Cogner les têtes entre les bamilékés. Là, elle veut que je m'en prenne aussi à la fille là. Elle adore ça. Nous cogner les têtes entre nous. C'est pour ça qu'elle m'envoie toujours les trucs sur... Elle m'envoyait toujours les trucs sur Lolo. Parce qu'elle voulait que je m'en serve. Pour finir avec elle. Elle adore, et je suis sûre qu'elle aussi allait raconter des conneries sur moi là-bas. Mais comme celle-là doit connaître sa personne, est-ce qu'il faut prendre ça avec parcimonie? Voilà son travail. Monter les enfants bamilékés les uns contre les autres. Tu as envoyé des vidéos à Général, à Niat Barano. Elle a envoyé des vidéos jusqu'à Niat avec audio. Que voilà ta sœur Bamileke, sans qu'elle le son sur les sites. C'était, bon, bref, celui qui veut croire que c'est moi, c'est son problème. Elle a envoyé ça à Niat. Niat m'a donc envoyé. Voilà la sorcellerie. Tu es mal barré. Tu comprends? J'ai toutes les captures. Comment tu balades les vidéos en disant que c'est moi, avec mon nom dessus. J'ai la capture bien avec ton nom. Comment tu m'as envoyé les nudes de Lolo Fodja? Tout ça est posé. Je t'ai laissé l'occasion de multiplier. Tu ne fais que nous donner les éléments pour montrer ta, que c'est, tu représentes un vrai gang. Elles se comportent comme les gangs. Quand tu travailles avec eux, tu ne dois pas les quitter. Ça devient le harcèlement. Donc, je vais libérer Lolo malgré elle. Je vais libérer toutes les personnes que tu tiens derrière là, qui ne peuvent pas venir parler ici en live comme moi, qui ont peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi, meuf. Moi, je te pisse à l'arrêt. Et je te défonce ta face de rat quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux, je te nique ta race correctement. Sans problème, sans lubrifiant. Tu comprends? Avant de te traîner au tribunal. Parce que vous croyez que elle fait ça pour que les gens viennent dire que non, aussi que tu es ingrate. Elle a partagé ta musique. Bon mec con. Fuck you all. Vous êtes prévenus. Ne venez même pas avec ça sur ma page. Que oh, tu es mauvaise. Elle t'a trouvé le logement. Elle t'a ceci. Elle t'a donné les papiers. Elle a, c'est grâce à elle que tu as les 8000 vues. Et puis toi, tu vas lui porter plainte. Oui. Oui. Donc ne venez pas. Ne venez pas me faire chier. Sinon, je mets vos noms dedans. C'est là-bas devant qu'on va aller trier qui est dedans, qui n'est pas dedans. C'est pas mon problème. Vous arrêtez de venir me harceler. On appelle ça du cyber-harcèlement. Si vous n'êtes pas au courant, vous savez qu'il y a les whites qui payent les amendes pour ça. Ça doit arriver dans notre communauté. Vous allez payer. Vous allez payer pour diffamation, pour harcèlement, pour chantage à la vidéo, pour proxénétisme. Hein? J'ai tout ça au chaud. Ah, Oshika, qui est là? Moi, la demande, je dis, qui est là? Qui est là? Qui est sur les gens dans les réseaux sociaux? Quand elle est sur vous partager. Mais quand elle sort son morceau. Mais quand c'est normal qu'Oshika, toi, c'est venu de l'avoir combien? Même pas 10 000 vues.
Allez, tu vas. Tu sais quoi ça? Tu as vu que c'est ouvert ça? Tu as ouvert ça? Wonderful. Tu vas aller là-bas. Vous avez entendu mes scarabées? On vous met au défi. Que même pas 10 000 vues. Vous avez entendu? De parler encore. De parler encore. Voilà les gens qui m'insultent. Qui nous insultent. Parce que pas moi seul qu'on insultait. C'est nous tous. Parce que moi seul, je ne peux pas partager jusqu'à ça fait 10 000. C'est nous tous. Quand il vous dit qu'allez vous abonner à YouTube, parce que tout ça, ça joue, ça compte. Vous me regardez tous les jours comme le film. Combien d'entre vous sont abonnés là-bas? Nous sommes presque 50 000 ici. Oui, ne voyez pas le 48 000 là. Moi, savent ce que vous avez là, ce n'est pas à jour. Moi, j'ai le chiffre mis à jour. J'ai déjà plus de 49 000 abonnés. Nous sommes en train de partir sur les 50 000. Et nous sommes 2800 sur YouTube. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Donc voilà les ennemis donc, qui viennent se foutre de nous. Nous sommes là, pour eux, on a ça. On chie là, voilà, qu'est-ce que c'est que 3 semaines? Elle n'a même pas 10 000 abonnés. Voilà le lien. Voilà le lien. La salope, s'y parle comme ça, elle même n'est pas abonnée à ma chaîne YouTube. Elle n'était même pas même avant. Elle ne m'a jamais envoyé les étoiles ici. Elle n'a jamais contribué dans mon quoi que ce soit. Rien. Mais elle va venir vous parler de soutien. Quand moi j'étais avec toi, tu as fait quoi pour moi? Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube, vous cliquez ici sur l'arbre à lien qui apparaît là. Si vous ne le voyez pas depuis, c'est que c'est la publicité, la barre là, qui est là, qui vous empêche de voir ça. Donc, vous cliquez pour fermer la barre de la publicité là et vous allez voir mon arbre à lien. Vous cliquez sur l'arbre à lien. Vous cherchez ma chaîne YouTube et vous vous abonnez là-bas. Vous êtes 200 à me regarder là. Voilà, si vous aimez ma musique, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube parce que c'est sur YouTube que la musique joue. C'est pas sur Facebook. La musique, c'est sur YouTube. C'est ce qu'elle regarde à YouTube. Sans compter quand elle dit que ce soit ici en direct à telle, telle. Maman. Tu n'arrives pas à croire ni ou à l'ouette. Ça veut dire que tu ne la suis pas et que tu ne suis pas ce que je dis ici tous les jours. Tout le monde ici sait ça, hein, que c'est une malade. Et tout le monde sait qu'elle n'était jamais sincère. Je l'ai expliqué dans ma vidéo hier. Donc tu m'as pas cru. Pour rien. Toujours la manipulation. Maman, quand tu dis que la direct, quand il n'y a pas de l'eau, faut dire. Ou la nouvelle joie, tout ça, c'est pour la cause. C'est là qu'on vous voit. Je relance le live. Parce que c'est déjà trop long. Je vous donne rendez-vous là. On relance. Parce que là, elle va encore détailler. Je relance le live. À tout de suite.